Compatriote Haïti Media Monio, président Jovenel Moïse, qui en pile nan nou te toujours kon wè li mal, qui te toujours abdi vle pa vle, fok li ale, qui te kon bal yon paquet non, par exemple dinosaur 7 tête et mes amis Haïti Media Monio, mette sous sa, mesene entre la, vintiye la kaili, nan façon en pile nan nou déplore, et mette sous sa gen moun ki fè comprendre, c'est un complot taille qui fait mette avec en pile haïtien la, qui cause mesene ou vin pran président, nan façon sa. Et bien en tout cas, nan kat émission sa, mwen pral palo, mwen pral dou qui est président Jovenel Moïse même l'ité. M'a demandé pour abonner, commenter, partager, 3 clics suffit pour permettre channel Haïti Media on avance plus devant et ou même pour capable rester en bas pied banane. Information puisque qu'on est plus bien passé que en matière d'information, nous c'est numéro 1. On est respect avec toute fanatique Haïti Media on yo. Comment nous y est? Est-ce que n'a pas kembe? Ouais, émission ça, moins content pour me porter le pas où parce que il y a un paquet de bagaille que ou pral connait dans cadre émission ça. Fidèle Haïti Media on yo, président Jovenel Moïse fête yon 26 juin 1968. C'est premier cri que t'a pral fait sous bout Jean-Jacques Dessalines là dans commune Trou du Nord. C'est-à-dire c'est là Code Lombricli enterré. Jeune garçon qui t'est fait dans canton, il faut qu'il t'est capable grandir, vous comprenez? Fait jeune gens, et ben maman t'est poté non. Lucia Bruno qui t'est gain profession li en tant que couturier en même temps avec commerçant. À l'acheter, mouté go tête machine, vous comprenez? En l'air, sous plusieurs sacs charbon pour t'être capable bousquer la vie avec Timounio. Papa Jovenel Moïse t'est poté non. Etienne Moïse, monsieur lui-même comme profession, c'était mécanicien avec agriculteur. Fait à travail, boulonner terre, comprendre, chercher nigri terre pour être capable bali bon genre récolte pour être capable faire l'éducation timoun yo. Zami Haïti Media on yo, Jovenel Moïse il fait, il faut que yon jeune garçon cap grandi, cap fait, il faut qu'il te capable instruit. Et bien fidèle Haïti Media on yo, Jovenel il fait toute classe primaire net dans commune Trou du Nord, c'est là qu'il te fait et mouche a li même faut pour comprendre, li t'a pral quitter commune Trou du Nord dans l'année 1974. Plus que nous principe la pi bien que moins pour grand monde en dehors yo vle ti moun yo fini classe yo parce que il fit un temps qu'on y a pas comme ça non mais l'autre fois il faut que ti moun en devin fin faire certificat ou si poser voyer le Port-au-Prince pour l'al fini étude classique li et bien c'est dans objectif ça que en l'année 1974 Jovenel Moïse même t'a pral entrer dans Port-au-Prince pour l'al boucler étude secondaire li et bien li fait toute classe li net fidèle Haïti Media moun yo même connaît tout grand moun longtemps l'autre des moments ça arrivé pour voyer petit yo Port-au-Prince c'est un bagay yo pa ka comprendre refuser li si toutefois yo vle bon gens l'éducation pour ti moun nan yo toujours dou m'voyer Port-au-Prince avec honneur les wap tourner souple tourner avec respect c'est comme ça Jovenel li même li fait toute étude classique li entre dans université parce que Jovenel li était entamé yon étude universitaire dans université Kiskeya li t'al étudié sciences de l'éducation semblerait-il que mouche a terrain m'instruit moun éduquer moun. Et bien après ça, l'ital prend quelques formations dans sa gen pour avec entrepreneuriat. C'est là tonton lui-même li fin apprendre ça yo, comprendre jeune petit garçon bien formé après un petit marché que monsieur t'a fait dans canton an, li t'a pral tomber sur un neges qui pote nom Martine Etienne Joseph. Li t'a pral marié avec madame Martine Moïse en 1996. Côté Martini même t'a le faire le cadeau trois belles petites parmi petites ça yo gagne Jean-Mali Moïse gagne Jean-Vélin Moïse avec Jovenel Junior Moïse fidèle Haïti Media on yo pendant trois timon ça t'ap grandi et Martine Moïse même jeune femme mariée avec yon nèg jusqu'à présent nous t'es capable remarquer ki nèg yo rele Jovenel Moïse a son bon gentleman son nèg qui t'es vraiment remé madame li mettez sous ça pour te bousquer la vie timoun yo et la vie foyer a monsieur a metté premier entreprise sous pied qui pote non Jomar Autopart et jusqu'à présent entreprise li même li toujours là li t'es planté entreprise dans zone port de paix depuis après mariage li avec madame lan puisque nous connaît tout papa Jovenel c'était yon nèg qui t'a travail la terre qui t'es entré dans nigri terre pour faire le produit Bali et pour être capable faire éducation Jovenel ensemble avec l'autre timoun yo mais fidèle Haïti Media on Jovenel Moïse même il t'a pral prendre la relève pour te produit banane c'est là pour la première fois non nèg banane t'a pral sorti mais puis devant on pral voir côté Jovenel lui même t'a pral joindre confirmation zami Haïti Media on yo quoi toute étude ça Jovenel lui même il fait il gen timoun il gen autopart cap bal l'argent nan port de paix mais mettez sous ça mouchi a lui même il te signé un contrat avec compagnie Kouligan pour
pour te capable faire distribution de l'eau potable dans département Nord-Est et Nord-Ouest. C'est-à-dire, monsieur Jovenel, il te créé propre usine pale pour te capable vendre de l'eau. Ou elle est ça, nous dans année 2001. M'a pas pour mentir, relation t'a bien marché, bien mené parce que tu gagne de quoi pour yo vivre. En tout cas, jour aller, année vini, kounia nous dans l'année 2004, président Jovenel Moïse même t'a pral membre chambre commerce industrie dans département Nord-Ouest, mettez sous ça dans un badge par contre comment mouché ça lui même il te prend promotion, semblerait-il que Joab Gad Jovenel là même madame Martine Moïse fait comprendre son nek qui gagne chiffre exact, son nek qui vraiment précis dans tout ça qu'il a fait. Et bien Jovenel Moïse même il t'a pral prend promotion en tant que président fidèle Haïti Media Union chambre commerce dans secteur pal là dans département pal là. Après un petit temps qui pas trop long, président Jovenel Moïse t'a pral secrétaire général chambre commerce industrie pays d'Haïti. Moi obligé dit président parce que c'est sous titre ça, nous tout te connaît mais depuis là ça, mais c'est pas trop président, li te style un jeune garçon qui a essayé sa tiette la vie pour garder comment il était capable faire sous école pour capable vivre avec madame li petite li pour être capable soutenir foyer. Fidèle Haïti Media Union, Jovenel t'a pral faire une autre expérience. Après tout ça que nous connaît là, li pral faire une autre expérience côté dans l'année 2008, li t'a pral participer avec dans création compagnie Haïtien Énergie SA. Mettez sous ça, il était dans création tout confiné SA en 2012. Fidèle Haïti Media Union, c'est là où non nèg banan li pral confirmer pour une énième fois côté président lui-même Jovenel Moïse. Monsieur Jovenel Moïse li fondé Agritrans SA et il était introduit projet agricole nourri bio dans ville côté il était fait là côté code l'ombrique li était planté à. Et depuis là ça dit ah ouais mouche son bon nèg banan ke lié. Mes amis Haïti Media Union dans année 2015, puisque nous connaissons là, Mateli même était président. Mateli était peut-être payé à m'couer dans l'année 2010, après catastrophe, goudou, 12 janvier 2010, nous j'en ça, il était payé à craser net, et bien, il s'était fait 5 et 5 ans là. Dans l'année 2015, malgré, vous comprenez, tout le monde qui t'a côtoyé président Mateli, mais président t'a parlé de tout le monde qui mon cher pas bon menti, c'est depuis là où il a commencé à railler président Jovenel Moïse. Et bien, fidèle Haïti Media Union, Mateli lui-même qui était ouais, valait travail, que président lui-même en parlant de Jovenel Moïse même jeune garçon ça qui gagne foyer qui a bien travaillé dans trou du nord ancien président Mateli te dit qu'est si on est comme ça un jeune garçon a fait ça dans zone côté le sorti a et bien Haïti de meilleur ou mettre quoi li dans tête monsieur. C'est depuis lors li te choisi Jovenel Moïse pour t'al poser candidat il sous plateforme ou bien parti qui pote non PHTK parti haïtien tête calé en tant que président gagne en pile nèg là qui te dit qu'est gardion coup dans dos président Mateli banou yon nèg en dehors là prend et nèg en dehors ça m'pa bon menti même jeune tout nous tout connaît déjà comment proverbe la te dit te veven depuis les élections premier tout dans l'année 2015 Jovenel Moïse même te savonné et en même temps rincé tout compétiteur qui te participé dans élection présidentielle parce que mouche ça lui même li pas gain en face suite avec programme qu'elle était bien détaillé pour population haïtienne malgré elle te rivé sous tête pouvoir bon lui même il te pensé ba yon ti jan facile mais elle dit ça depuis elle prend tête pays d'Haïti ça c'était bien compté mal calculé gagnon en paquet comprendre appel que la presse voit nèg qu'après l'el vin al en bas table la vin pa nous connait déjà fidèle Haïti Media Mondo malgré tout examen que te vin fait les ça dans élection 2015 amant 2015 yo t'après annuler élection ça parce que yo te jugé li gen trop magou li gen trop tout nan manche mais c'est seul moun qui t'a président si yo t'a bay un moun qui pas fait fraude c'est lon KPA c'est t'a Louko Dezi qui t'ai fait 500 combien voix non élection présidentielle ou sérieux Louko. En tout cas fidèle Haïti Media Mondo yo refait élection dans l'année 2016 dans fin année alors personne pas ka barre ti David li te fait 22 mois campagne avec Bouboutli avec Negesli madame Martine Moïse qui était croisé depuis dig dans temps j'aime pas bon menti fidèle Haïti Media Union mouchea li sorti devant 7 février 2017 c'est depuis là pral gen un ti rounou nou t'a pral commencer parce que président li te mouté en tant que président 58e président dans pays d'Haïti et te gen en pile parole en pile mais pour en pile moun qui te fait comprendre si président mouté 7 février 2017 li t'a supposé kaba qui donc fait mandat en 7 février 2022 mais hélas nou wè comment le passé depuis les Jovenel prend pouvoir ça li gen un fret kap kalé le kapouchi boudal qui
river boudal vin tout rouge. J'ai un petit moun nou gen k'ap fè des ordres ou ap passe le tap de temps en temps. Logat bordadal ou est 5 doit ou fè graffiti ya. Et mes amis Haïti Media on, li te nommé premier ministre Jacques Guy Lafontaine qui te marqué, vous comprenez? M'a pas menti, nek sa li même, nek sa m'a pas menti fidèle Haïti Media on, nous connaît à clair comment Jacques Guy Lafontaine lui-même l'elle te rivé en tant que chef du gouvernement, nous est tout tac qu'elle te comprend nan main extrême gauche en parlant des oppositions. Et bien pays a te même manqué écrasé sous dos Guy Lafontaine suite avec une décision ou bien une parole qu'elle te dit. C'est ça que t'as pral bay 6-7 juillet déchoukay dans la rue tête président Jovenel Chaud. Et depuis le ça président lui-même t'as pral connaît premier sérénade li dans affaires politiques. Et mon cher m'a pas bon menti, même madame li t'a prédit elle dit président Jovenel koto pral la. En tout cas mes fidèles Haïti Media on yo, nous connaît tout qui va les barricades, qui va les bagailles nek sa on parlant des opposition te mette pour capable empêcher nek sa ou faire comprendre faire ça qui est capable faire dans pays d'Haïti pour projet Jovenel la programme qu'elle te gagnant pour te mettre pour te capable exercer dans pays a. Mais c'était bien compté mal calculé et dans même époque ça tout faut me rappeler nous président malgré toute barricade malgré toute babelé que te mette li te jambé pour te capable former réformer l'armée d'Haïti malgré nous connaît te gagne une négoté écrasé dans l'année 1995. Moi pas obligé entrer dans tout détail parce que me dit déjà mba c'est là pour famille mba vle trop pour séparer ou bien trop petit pour me séparer. Mais fidèle Haïti Media on yo, même si Jovenel pas là encore, mais l'armée d'Haïti li still toujours là malgré tout qualificatif nèg pa bo ici à Bali. Et pendant y a Bali la gen des trois tif famille yo y a essayé font façon pour vous aller dans l'armée a. Ou est-ce nous sérieux? En tout cas zami Haïti Media on yo, après toute crise pays a t'a pral connaît, nous connaît qui ça t'est passé sous Jacques Guy Lafontaine. Mais opposition même aptan nous comprendre yo te dit bon c'est pour gon chita parler, si te gen pour moi quoi qui fait là opposition pour chita parler avec pouvoir. Yo te fait un choix qui c'est noté Henri Seyan Jovenel lui-même c'est la paix qu'il t'a chargé son façon t'a fait pour le garder. Est-ce qu'il était capable retirer Haïti comprendre parmi tous en font ça pour dire pour Haïti était capable respirer yon l'autre l'air li nommé effectivement Seyan comme premier ministre. Ça fait deux premier ministre qu'il passait toujours. Mais fidèle Haïti Media on yo, nous connaît toute sérénade pirette vient commencer. Sept mercenaires entré dans pays d'Haïti jusqu'à présent. Sous moi à quel motif m'pa konnen. Comprendre pas fouiller m'pa patate m'pa konnen jusqu'à ce que Seyan lui-même li obligé bay vague de ça nous entrer kounya dans l'année 2020. Jojo t'a pral prend une frappe qui pas petit dit tout si tout nan mes sénateurs. On changer ça nego vinn font mon bloc en dedans commencer écraser bagay commencer mettre bay dans la puis bay sérieux net fidèle Haïti Media on moun ouvre al représentant dans parlement. Jean-Michel Lapin mouté comme premier ministre AI ni c'est toute vie on qu'elle fait après un titan vinn changer yo bay Fritz William Michel mkwè nek kabit amélioréa. Moi j'aime pas bon menti monsieur pense c'était bon bagay pourtant c'était bien compté mal calculé PD Alchita dans parlement en bas non chez pas en bas monsieur bénédiction parlementaire fidèle Haïti Media on Jovenel met pied la tête li prier dit messieurs depuis les monter nek sa wap bon problème y a taclé y a bon toute vie frappe qui gagne pas de problème. Bonjour m'attend yo c'est deuxième lundi mois janvier 2020. Et bien fidèle Haïti Media on yo mandat député au Kaba gen détient dans sénat que vous y aller. Jovenel pas dormi jour ça pour être capable font tweet pour dit li ouais li constate que parlement li caduc. Mais fidèle Haïti Media on yo depuis le ça Jovenel Moïse même li pral obligé diriger pays a par décret. C'était une meilleure option, c'était une meilleure bagaille qu'elle était capable souhaiter, qu'elle était capable râler un petit souffle dans moment ça parce que nèg yo te prend pays d'Haïti pour yo même. De mars même année a PM Jude Joseph vinn nommé par décret nèg Ambour tout rien monsieur vinn prend pays a. Et nous te connaît tout comment ça a fini comment mariage ali même était arrivé écrasé puisque nèg yo même puisque Haïti Media on nous connaît te gen en pile petit coquin qui t'a fait parler en pile ou comprendre dans deuxième lundi mois janvier parce que si Jovenel te prend décision ça pour vous aller puisque nous songe te gen élection qui t'a fait en 2015. Est-ce que nous comprendre 2016 ou refont l'autre élection encore nèg yo te fait comprendre depuis les élections ça en 2016 là qui donc 5 ans après t'a pas 2021 Jovenel Moïse t'a t'en li aller 7 février 2021 qui t'est bien compté mal calculé pour nèg yo et te connaît tout ça qui nèg yo t'a monté en tant que complotage pour te wété la vie président pour te bali yon coup d'état. Bien coup d'état ça l'était mal passé pour yo et dans
ça nan quatre tentatives coup d'état ça te gen à peu près 23 moun qui ont été marié parmi yo gen n'importe deux juges là qui était allant bafon bon petit temps aller nan cabaret te gen femme là dans le toile nan cabaret à la mesdames yo mais fidèle Haïti Media on te gen trois non juges qui sorti nan cour cassation que youn la d'ailleurs t'a pral remplacer Jovenel Moïse toutefois coup d'état ça l'était fait mais président lui-même jeune avec vigilance li à cette époque Dimitri Era lui-même l'était arrivé au président même pas connait qui ça fait le marché parce que depuis après assassinat là nous pas ouais Dimitri Era et bien fidèle Haïti Media on yo ou pas mandé me causer quelque temps après président République là te dit ouais trois juges là yo qui sorti dans cour de cassation nous mettre prendre retraite nous ba nous c'est ça qu'on t'a chercher parce que toujours dit faut régler affaire pour ou non appareil justice là ba judiciaire ou non pouvoir ça rester là dans le sort perdu dans politique mais président te fait négocier et quelque temps après secteur démocratique et populaire et en pile l'autre parti politique encore qui composait opposition par boycott yo nommé mécène Jean-Louis juge qui plus ancien dans la cour de cassation en tant que président qui va assurer transition des ruptures qui va gagner hélas pour jusqu'à présent m'pa konnen qui ça cause application ça pas ca installer dans tête pays et au même blier et au fait grand monde perdu job alors toute la 5 journée c'est crier grand monde ça a crié en tout cas André Michel ou méchant puis lui fidèle Haïti Media on yo jour a passé jour a couru jour Joseph lui même était baillon premier lettre démission sans pas de signer après ça bagarre la pral tomber boum dans côté l'estomac nous côté jour lui même li bay démission et Claude Joseph tout de suite li vinn faire un petit coup nan en tant que chef du gouvernement fidèle Haïti Media on yo ou pas mandé me causer jour nèg yo le Claude Joseph là lui même babo menti c'était avocat président tout côté le passé l'a défendre président dit qu'est on est comme ça mon cher faut d'abord côté ni mettre en tant que chef du gouvernement à ici là la bouger tout de suite après fidèle Haïti Media on yo président lui même il t'a cherché un accord parce qu'il besoin nèg opposition chita avec pouvoir mais il était style toujours quitter Claude Joseph en tant que AI par la suite d'après nommé Ariel Henry comme nouveau premier ministre hélas 6 pour entre 7 juillet 2021 mercenaires colombiens dans complot avec quelques haïtiens arrivé assassiner président Jovenel Moïse. En tout cas suite avec tout ça nous so dit là n'a va comprendre qui ensemble ennemi président ça lui même li te gagné parce que m'bra dit non bagaille là qui vraiment important et intéressant depuis après 1986 ça que président Jovenel Moïse même fait en tant que décision qu'elle prend avec oligarchie ça corrompu j'en connais souhaiter là j'en connais répéter alors et bien pourquoi j'aime gagne une nanne qui fait lui gagne un pin qui passe là qui te propose rondon moi pas j'aime capable faire ça que président Jovenel Moïse même malgré le te style toujours qu'on est un complot li paquet ennemi mais il était toujours fait comprendre li pas là pour le gouverner avec personne mais au contraire en chita pour nous qui façon capable bien back pays d'Haïti qui façon ka fait bagaille parce que même si opposition a craser pays à là et bien tendez président li annoncé en fait yon ti chita parler parce que me dit nous ça déjà c'est vrai président Jovenel Moïse gen quelque côté pas bon dans li mais président li était mouté c'est parce qu'il te dit le remet pays d'Haïti et nous même nous entrer dans opposition c'est pour nous capable sauver pays d'Haïti et en même temps ou reprendre protéger pays à suite avec ensemble décision quelque nèg nan pouvoir ta va prendre mais façon n'a fait politique la façon nous dans opposition en messieurs parfois nous quitter blanc ouais en bas nous parce que nous plus sous craser briser les fin font bagaille qui pour l'état tout on a servi là-dedans qui ont utilité publique mais encore nous même nous craser nous détruire qui ça veut dire est-ce que c'est une opposition nous fait qui pour remettre pays ou mais pour craser pays en tout cas fidèle Haïti Media on yo gen moun qui pas d'accord avec ça que m'a dit là mais c'était important intéressant pour me faire tout râler ça pour vous en tant que président de la République en parlant de Jovenel Moïse qui n'est assassiné et Jovenel lui-même qui passe à peu près 7 premiers ministres pendant qu'on capable dire 4 ans pour finir mandat. Est-ce que nous comprenons n'est-ce qui était où était la ville et c'est si fidèle Haïti Media on yo ça m'a dû le mettre pour l'évangile ouais comment yo commence à arrêter quelques monde là mettez avis de recherche quelques haïtiens quelques haïtiens mais puis force n'est qui pas jamais mais président Jovenel Moïse et en même temps c'est n'est qui était toujours fait quoi que mais Jovenel et Jovenel là lui même son est qui naïf en pile tellement le besoin pays d'Haïti lui même lui sorti dans tout on s'en fond qu'il y a puisque c'est ça Zanmil Abdim mais fidèle Haïti Media on yo moi j'aime pas bon menti dès pour prendre pause ou même pays d'Haïti dès pour prendre pause que ou même ou voulez font bagaille à clé pour pays a pendant ce temps nous connaît gen un petit minorité zuit qui kembe toute richesse pays a parce que m'pa bon menti imagine yo dit pays d'Haïti c'est un pays qui pauvre en pile
pile dans Caraïbes là pour qui ça tout blanc ça yo a saute côté ou sorti là vienne acheter tes pas boy ici yo même misère papa en tout cas fidèle Haïti Media on yo ouvri jo calé jo parce que les pour sous gros bouton ton channel ça m'a bon information sans rete sans mité mais pas jamais oublier tout avec produit yo Moringa Haïti qui gen zouti gen bande gen zouti a son pomade qui 100% organique ou juste passer dans tol pin bien massaille pendant 2 minutes ou fait ça deux fois par jour dans moins que 2 mois ou a jeune résultat et gen bande son comprimé qui fait avec 13 plantes naturelles des pour prendre ton ton tout problème résoudre ou bien une augmentation dans libido quant à pour bec ATA li fournit ça sec concupin et en même temps application li pas deux pas trois li pote nos abdil n'importe commerce ou gagner fait photo à poster sur n'importe so besoin vendre fait photo à poster sur gros bouton ton application qui pote nos abdil et m'dou ça encore c'est celle application des pour gagner zap dans mon ou pas prendre vie tape fidèle Haïti Media on yo si je venais pas de bon comme ça pour qui ça nek ça ou même yo mouté complot yo pour y aller touyer président et nek ça ou manqué réfléchi oui yo oublié si nous dans un régime démocratique pour capable prendre pouvoir ça il faut côté participer dans des élections présidentielles c'est ça les trois options gâté réveil remet tout perdit tout zanmi Haïti Media on yo commencer entrer puis fond dans challenge parce qu'on besoin arriver à 200 000 abonnés ou bien plus que 200 000 abonnés dans mois juillet ça avant même mois ça li kaba depuis 1804 à journée aujourd'hui il y a 16 présidents haïtiens qui mourent au pouvoir. Gien assassiné, gien qui était obligé qui mourir comme monde, gien qui était obligé sauver quitter pouvoir mais qui mourir après que fin quitter pouvoir et al prend la caillou et assassiné. Mais au total gien 16 présidents qui mourir au pouvoir en Haïti de 1804 à journée aujourd'hui. Lesquels présidents énumérés pour nous fait exercer ça pour nous de façon chronologique avec plaisir. Premier président mourir c'était Jean-Jacques Dessalines. Monsieur était mort en 17 octobre 1806. Alors lors du mourir assassiné. Monsieur mourir assassiné. OK d'accord. Parce que monsieur était sorti marchand et monsieur a descendu au caï pour la laisser mettre l'ordre d'affaires réforme agraire et monsieur était sorti tout dans zone marchand avec près de 30 000 nègres. Là, monsieur arrivé à Port-au-Prince, là, arrivé dans la zone Asco, zone Pont-Rouge, et puis tout le monde prend courir, là, autant de tirer, et il a tout tourné la Tibonite, il a tourné au Cap, et c'était un seul qui était avec Dessalines, il était Charlotin Marcadieu. Et là, arrivé là, certainement dans la zone Pont-Rouge, là, Dessalines a les amener, et monsieur a dit feu, il a tiré sous lui, et il y a un ministre, monsieur A, qui était ministre de la guerre, Étienne Élie Gérin, qui a dirigé troupe là, avec l'autre qui était Jean-Baptiste Yayou, et Yayou, lui, est en Congo, que Dessalines a dit, monsieur, retire quoi au cap aller au caï les rivé au pas balter et monsieur Anthony avec deux trois bourgeois deux trois nèg dans zone là yo tourné Port-au-Prince et yo marché sur Dessalines et Charlotin Marcadieu l'elle a tiré il volait sous empereur il a game sur à terre couché sous lui Charlotin Marcadieu son milate né long cheveux sous dos et il a récolté son nèg noya elle dit et Charlotin Dessalines dit au secours Charlotin en moi vienne sauver parce que tout nèg était en faire outio c'est seulement Charlotin Marcadieu garde de corps qui était avec lui et Charlotin était pas toute balio Dessalines pousser mais Charlotin à terre et il prend courir et il passe l'albelé et il te rendez-vous dans ancien cathédrale avec Corneille Brel. Les monsieur qui vient dans la cathédrale et monsieur comploteur courir derrière monsieur et il prend coup de marteau dans tête et monsieur tombé et c'est là que yo baïonnété monsieur passé monsieur à l'infinitif et yo ramasser corps yo traîner des chevaliers et yo al déposer le pont rouge. Donc ça c'est arrivé 17 octobre 1806 et était confond monsieur qui était Denis Basile Dédé Basile que yo relé défiler la folle qui t'a ramasser monsieur à terre. Ah, c'était famille défilé de oh, oui, d'après la petite... D'après la petite histoire, disons, mon tête pas droite, etc. Qui... Non, défilé oh. Pareil. Défilé, c'est le monde. Parce que les Salines, même, c'est 21 femmes dans chaque département de monde. Mm-hmm. Et c'est une première dame, et certainement première dame, ça, c'est Marie-Claire Heureuse, mon Léogane. Mais après, monsieur, c'est un paquet d'autres femmes, les mettent dans chaque département, parce qu'à l'époque, les Salines, c'est besoin de monde faire surveiller, rapporter pour lui. Et les mettent monde dans chaque département, y compris au CAI. Par exemple, c'est la fameuse madame Chevalier, et c'est les mêmes qui sont grandes. On est que vous venez en Angleterre, Winston Churchill. Mm-hmm. Et évidemment, M. Tefami tout, les Lecomte, Mono Cap, etc. Donc, chaque côté, M. de Gomoun et Dédé Basile, t'es ramassé quoi, fourré dans le sac. Évidemment, pour te prendre M. Sauville, t'es grand pile tiré, t'es grand pile mouvement dans la ville là, il était obligé de sortir en pantalette sous lui et à tête dehors. Et Mademoiselle, t'es obligé de paraître comme ça, il te dit son monde fou, et il te relève l'autre monde fou, qui est le dauphin, qui t'a passé dans un an, aider le poté, traîner des salines et à l'enterrer directement dans l'église Sainte-Anne, dans le cimetière Sainte-Anne. Alors, évidemment, à l'époque de Dessalines, le M. Fait mourir et transition était extrêmement difficile. Étienne Élie Gérin était déclaré sélectif président
et il dit que c'est lui-même qui jouait le rôle premier ministre en dans le gouvernement de Saline. Et au vient on a relé Bruno Blanchet sorti directement Jérémy, il dit pouvoir c'est pour lui. Donc on paquet l'obéit et madame monsieur première dame n'a dit il pas reconnaître du tout Étienne Élie Gérin et il croit plutôt faut gain élection dans pays a et c'est à partir de l'élection par le bon président. Élection par le fait effectivement, il y a commandant Port-au-Prince c'est Alexandre Pétion, il était pour élection tout, il parle fonder la République d'Haïti et monsieur avant le président, avant l'indépendance même attention, on est avec Alexandre Pétion, il était même femme en pile. Et une femme monsieur était un tissé Napoléon Bonaparte qui était bah, monsieur qui apparemment un syphilis et monsieur pendant période l'indépendance là, monsieur yo goumé en fait et monsieur était comme commandant de l'Ouest et monsieur ton tissé malade et là monsieur monté président, monsieur pral tombé avec on la fièvre dans col qui pas chambre tombé. Et c'est comme ça qu'en 1817 Pétion était prêt à bonne net et en 1818 monsieur pral mourit et évidemment Pétion mourit le 20, pouvoir 29 mars mm-hmm. 1818 il mourit au pouvoir mm-hmm. et là il mourit à tout évidemment monde qui a remplacé lui c'est Jean-Pierre Boyer commandant chef la mer mais Boyer était dit l'attendre enterrement avant que le déclarer et quoi que ce soit dans le pays l'attendre enterrement président Pétion avant de commencer à gouverner effectivement monsieur Tétan et à partir de 1818 monsieur était pris en pouvoir il était dirigé correctement cependant deux ans après monsieur décidé mettre fin à pays sacré écrasé tical patical là ça veut dire que les Pétion mourir en 1818 au CAI, parce que Pétion, tu diriges une république, seulement l'arrivée portail Léogane, c'est la république la finie. Et l'on monte portail Saint-Joseph, et l'arrivée continuer, arriver à la zone à cabaret à Caillet, l'ESA, c'est la république à Caillet. Tandis que vers le nord, il y a Christophe qui prend pouvoir, monsieur dirige toute la Tibonie, tout le nord là, et dans le sud, vous gagnez à partir de portail Léogane, arriver juste dans Port-à-Piment, toute zone ça, tu es dans main, d'abord Henri Rigaud, et après Maximilien Bourgeois là, PAF, vite divisé en plusieurs et du côté de Jérémy, tu as l'autre république, l'autre gouvernement avec Jean-Baptiste Gouman et ou bien en Dominicani, il y a Nunez de Caceres. Et c'est là que le président Pétion, puisqu'il est mort, et Jean-Pierre Boyer remplace elle, il continue traditionnellement, il dit la fait payer à ton nom seul. Monsieur Allé, évidemment, limiter fin à la république au Kaila et Maximilien Bourgeois l'a associé à Quin. Il dit, monsieur, non, pas bien dans Gouman, n'abandonne nous. Donc le sud retrouvé directement l'ouest avec Boyer et on parle gagner une bataille que Maximilien Bourgeois l'a parlé mener contre Jérémyo et il va ramener la grandeance qui vient directement faire partie de la République. Donc, vous voyez, il vient tout le sud de la police, il restait le nord. Et là, M. Palmonté et qu'on président Palmouri au pouvoir, c'est Henri Christophe. Et là, Henri Christophe apprend que l'armée a monté et il y a des troubles dans le pays. Il y a même un beau fils, qui était le Nord Alexis Père, M. Maria, à Tiblazine, Blazine Christophe, un petit fioua, M. était dans un mouvement avec Paul Romain pour jeter président. Donc, le président entendait tout le président, disons le roi, Henri Christophe, l'état des deux autres, monsieur tape traîné parce que c'était malade, il y a une apoplexie, et monsieur est tombé à terre, tape traîné, puis monsieur est le petit garçonné, Victor Christophe, prends un revolver à moi, tant pis, monsieur prend un revolver à l'antiwa, et puis papa, chute à son chaise roulante, et il mettait le sous chaise là, et finalement il dit, monsieur, pressé, tirez sous moi. Et puis monsieur parle, Timon parle de Bressel, monsieur Kimbeza, non, mais la tremblé, et c'est là que roi Christophe a perdu la ville au pouvoir, parce que les tirés. Tête une balle au cœur. Les suicides tête là. Les suicides. Là, on a 8 octobre 1820. Mm-hmm. Donc, deux ans après, Boyer est monté. Le pays a commencé à unifier et monsieur a décidé qu'on a fait la campagne de l'Est. Monsieur est rentré avec près de 40 000 hommes du côté de la Dominicanie et monsieur fait que Nunez de Caceres quitte le pouvoir et a monté le drapeau bleu et rouge et tout le pays a vu le fond seul. Alors, évidemment, le pays a pas gagné le président qui va le tomber. Monsieur Boyer a quitté le pouvoir en 1843. Et là, monsieur a quitté le pouvoir, on a créé les Rivière-Ira qui prennent. Et après Rivière-Ira, qui n'est pas qu'à diriger, qui a fait des ordres, ils ont jeté la terre, ils ont mis Philippe Guerrier. Et c'est là que Philippe Guerrier est au pouvoir. M. Pal perdu la ville lui-même le 15 avril 1845. Et qui vient de mourir, M. Leg Marchand de Saline, il était dans la guerre d'indépendance, mais M. était 87 ans. Il était fini grand monde, M. était malade en pile tout, et M. était fait en pile bien, il était géré monde, il fait en pile l'école, il était au lycée Philippe Guerrier au Cap, lycée Philippe Guerrier au CAI, et M. t'a permis que tout le monde a touché bien, M. a eu moyen dans mes et parce que Boyer pas de voler comme, et toi, Kakob qui était là dans le pouvoir, il a servi à pour te faire en pile bien. Et c'est là Philippe Guerrier, pral mourir lui-même, M. mourit de mort naturelle, mais il mourit au pouvoir, et il mourit 15 avril 1845, et là, sa pays a décidé, il n'y a pas de porter deuil pour lui. Et il n'y a pas de deuil, puis il y a vraiment, et il y a qui peut le monter, qui dit, le pape courir, faire décret, état de siège, bloquer un pays, il faut qu'il y ait autant d'enterrement président. Et M. le décret était seulement l'enterrement. Il fait un décret seulement sur l'an mois, et il te dit, pour tout le monde qui a travaillé dans l'État, pour y'a porter deuil. Et pendant 3 mois, Haïtien était habillé tout de loin, et il était crié, il était vraiment, il y a la peine pour le président Sartre mourir parce que Philippe Guerrier était un très très bon garçon.
Et quelques temps après, il y a Jean-Baptiste Richer. Alors, Richer n'a pas pris le pouvoir. Et Richer, monsieur était converti dans l'église wesleyen. Monsieur venait un pasteur, pentecôtiste, un pasteur wesleyen. Il a battu une grosse église au Cap. Et puis, il dit, nous ne pouvons pas prêter pour prendre encore. Tout employé prend au Cap parce qu'il va marcher dans l'église. Et puis, il y a vite tombé dans des gabards, côté gang, à marcher tout le monde, ou kidnappé, ou tout, ou raché. Donc, bref, sous gouvernement Richer, c'est un désordre généralisé. Mais pendant que les autres, là, mon avril en mois qu'on riche, et un jour, pendant que je suis sorti, la préparé à faire pour la locap, je suis marché dans le champ de masse, et j'ai une pile femme. Et qui est en tête, Marie-Louise Nicolas, et qui parle futur, qui parle madame, et ministre Salomon, et puis ils sont sortis certainement dans Saint-Louis du Sud, ils sont rentrés pour le prince, et ils ont parlé de bail riche, ils ont le son. Et c'est là qu'ils ont parlé de marée, et garde de Koyo, et ils ont pris le président, ils ont fourré le sac, le sac charbon, ils ont fourré le président Laden, et ils ont roulé monsieur en bas coup de bâton. Et là, monsieur Pralot trouvait le cap en Jean Cocobé, en bas coup que tu recevais là, mais 350 femmes qui sont sorties dans le sud et dans Port-au-Prince et qui étaient venues directement pour ballon le son. Et là, monsieur Pralot mourit, Richer mourit 27 février 1847. Donc deux ans après qu'une tête une perdue, président guerrier, nous parlons pas du Richer. Et là, monsieur mourit, mais il dit que c'est poison qui était bali, c'est Céline Ardoin qui était bali poison, et c'est pas vrai. Bon, il y a une pile de recherches qui fait qui montrait que monsieur. Et évidemment, il mourit et il était écrit dans le testament. S'il mourit, il faut fourrer directement dans l'hôtel de la patrie. Même Jean Alexandre Pétion. Alexandre Pétion allait à l'hôtel de la patrie et Richer tout allait à l'hôtel de la patrie. Il faut me dire que journée jeudi, dans l'hôtel de la patrie, Alexandre Pétion là et Jean-Jacques Dessalines là. Dans la cour, il y a un Richer qui est venu enterrer dans la cour. Il y a le président tout, Florville, qui est enterré dans l'hôtel de la patrie. On a parlé de ça tout à l'heure, mais il faut me dire que le Richer mourit 27 février 1947. Et le pays est tombé dans la main. Général Soulouk. Et Soulouk monte pouvoir, et monsieur de Fombara, il dit affaire de gang qui a marché, violé, moun, bat moun, et que moun pas qu'à circuler dans le pays, là, mettez fin dans le ça. C'est vrai que l'été font gros cérémonie, non, l'été bon et pays, et puis monsieur était allé réunir au Panthéon le 21 esprit, côté que tu étais 20 gang, yo. Et monsieur a volé en mer, il dit à Goué, marché près, yo. Et au fur et à mesure, Baraï ça a été venu disparaître, et Soulouk dirige le pays pendant près de 11 ans. Il a fait tentative pour tuer Soulouk, on est qui est sorti, Tigouave, mais monsieur pas jamais mouri. Parce qu'on leur dit que je suis rentré dans la chambre, monsieur, puis elle prend la caille, mais je suis jeune au régime banane et je suis obligé à le faire autour. Mais après, Soulouk était très très dur, il était marché fusé, garçon. Soulouk pas tombé certainement dans le gouvernement Fab Nicolas Giffra. Fab saute au caille et monsieur rentré Port-au-Prince et monsieur rentré tout grand monde. Alors évidemment, monsieur a fait attention pour ne pas prendre. Mais Fab Nicolas Giffra, tel te fait, t'es mercenaire. Premier président qui est mercenaire dans le pays pour craser manifestation, pour craser opposition, c'est Fab Nicolas Giffra. Alors monsieur rentré avec mercenaire ça, quand il y a des gens. Anglais, okay. Des Anglais. Mm-hmm. Parce qu'à l'époque, n'oubliez pas que t'es une route qui en pile mon absorti Martinique, Guadeloupe, il y a absorti l'Amérique du Sud, il y a sorti Colombie, il y a sorti Venezuela, et son route que Simon Bolivar te connaît bien, sorti directement, l'on sorti Colombie, l'on sorti directement. Ou Caracas, Venezuela, ou rentrer Haïti en 20 minutes dans le bateau, ou aller à Quin, ou aller dans la zone à Quin directement. Donc, il était facile pour te rentrer, et tu es en pile nègre que Français ont été des pirates, des mercenaires, parce que monsieur t'a appris en Antillais qui a payé 20$, 30$, et fait rentrer directement à Haïti, quand tu es en pile esclave. Depuis qu'on rentre directement à Haïti, il était déclaré, il était libre, il est libre et libéré, il n'est pas esclave encore. Donc, alors, le gouvernement prend là dans l'extérieur quelques mercenaires anglais, et il m'a tiré directement. Sous opposition et te gen on est président te gen futur président Sylvain Salnave que nego calé monsieur deux fois yo boulé ville au cap yo ratiboisé go naïve et finalement Sylvain Salnave t'es obligé aller en exil et c'est là monsieur va faire l'amitié il parle bien avec Karl Marx il parle bien avec Engels et monsieur va participer dans la première internationale et là monsieur rentré à Haïti et li chasser mercenaires anglais yo monsieur dirige pays et gen pile femme qui te marche avec monsieur monton l'armée femme près de 30 000 femmes à exam à garçons mélangés, et dès que rentrer, ils prennent pouvoir, et on parle jeune, on est d'accord, Fab Nicolas Giffra, parle obligé de partir. D'autant plus que quelques mercenaires étaient virés contre monsieur, il a laissé tout la Kaili, mais il n'y a pas de jeune ni ça, il a joué une petite fille, monsieur, qui était le Madame Koura, il était tout tué. Évidemment, le Sylvain monté, Sylvain prend la montée au gouvernement, et côté que monsieur dit, c'est Haïtien qui a dirigé, monsieur parle créer, malgré les magasins de l'État, côté que manger, qui a fait dans la province, monsieur a acheté au bon marché, et monsieur vendu au pays, et monsieur vendu rad, monsieur, très bon marché et mon yon a vivre très bien, et monsieur fonds économie qui a, souvelé, qui permet que paysans yon jump. Alors, Sylvain Salnave, c'est un petit milat qui était noiriste, monsieur était même noir, il était même paysan, monsieur était une vision égalitariste, une vision communiste. Avant Fidel Castro, et avant la Russie, Haïti a gagné l'avant.
Mais là, monsieur ici au West Ayo dit que monsieur son traite, et c'est là qu'il va décider de tuer monsieur. Il va aller faire une tentative d'abord, il fait deux tentatives à le prendre la Kaili, il n'est pas capable de jeûner, il n'est pas capable de tuer. Et monsieur retourne sous pouvoir pirate, mais il va venir voir les autres mercenaires, l'autre monde vient derrière président. Monsieur est obligé un jour de sauver, les calcacher avec du soir prêtre, parce que c'est des prêtres corses et des prêtres bretons. Parce que j'ai frère Tessi en concordat, les mandés tout blanc français venir parce que monsieur était croyant en pilar. Il était blancophile, il était en tient sous à l'un et il voulait chercher eux, alors que ça lave lui-même son nationaliste, son équitable goumé vraiment pour payer ça, il était jump. Et monsieur parle goumé contre mercenaires et monsieur retrouvé la République dominicaine. Et là, que une série de monde que Négicite a dirigé, t'as qu'on est sage et t'es qu'un prophète, Bruno, et où t'es jeune tout, même Michel Domingue, Naokai, n'a qu'on mettait ensemble pour voir qui j'ai accrasé Salnav et pour empêcher que Salnav pas fait un gouvernement populaire. Et Salnav va le retrouver, il est certainement en exil. Pendant que ça prend route, là, monsieur passe directement, il quitte le palais national dans la zone Champ de Mars, monsieur rentre directement, monsieur passe dans le canapé vert, monsieur passe dans la ravine, monsieur monte Pétionville et de là étant, monsieur dirige dans la zone Kouadé Bouquet. De Kouadé Bouquet, monsieur fait route Santo Domingo et c'est là qu'il parle, prend monsieur dans la route, il parle arrêter et vous voyez le tourner, bah, on est créé Boiron Canal. Bon canal t'es habité frère et il fait président il bat les t'es gagné monseigneur Jamaï Guillou qui t'es gonflé non mais le cap frappé de monsieur Satan recevez le coup de grâce Satan et la frappe monsieur coup de fouet et en fait Salnav n'était pas Satan. Salnav c'est un président populaire qui voulait absolument régénérer la population. Non monseigneur tapé maintenant au ah bien sûr parce qu'à l'époque faut pas oublier que t'es un prêtre corse qui était avec Salnav et on t'a dit que pas d'accord avec concordat que ça j'ai frappé signé faut donc que Salnav t'a dit pas d'accord lui pavril parce que concordat t'a dit faut Haïti accepter pour mon père breton est venu je viens faire l'école pour haïtien et pour haïtien à l'école faut que les mariés baptisés communier, confirmé. Et ça n'a pas d'accord. Il y a dit tout que en dehors de prêtres étrangers, les bretons, tu avais des prêtres corses français qui pas d'accord avec eux. Donc, ils viennent mener une bataille ça directement ici. Mais Corsio, tu es resté directement à côté président Sylvain Salnav. Et c'est là que parle mener, monsieur Monseigneur Guillou, c'est un breton. Alors, il automatiquement frappé le président, qui fait le marché en Sylvain Salnav, ça a fait le marché SS. Et là, il rentre, il a commencé à tirer le monde, il a tué en pile le monde, et il a pile mesdames qui mourent, il a tué près de 40 000 monde au seul coup. Et président, il parle mener, monsieur, avant de mener monsieur dans le palais, il a boulé le palais. Il a sauté par l'air et là, monsieur arrivé 15 janvier 1870. Alors là, monsieur entouré, et c'est Boiron Canal, et qui est futur président, qui va demander pour fusiller le président. Il a marié monsieur dans le poteau, il a été fusillé sur les ruines fumantes du palais national. Et après ça, il a décidé d'attaquer les partisans de Salnav qui prend les armes. Et il a tellement tué le monde que quelques temps après, il a tué la gueule dans la rue, et haïtien peut commettre de la blanc sous moi, il a quitté la terre pourri, et finalement, il a une maladie qui est les maladies verrettes. Et haïtien mourit, court Mayaya. Alors évidemment, le 15 janvier 1970, ça a passé dans le pays et le président est mort. Alors quelques temps après, il faut dire que nous allons avoir un autre président, Michel Domingue va monter, Sage va le monter avant, et les dates, M. Rivé, il va faire autre, il tourne Saint-Marc. Et comme président Okaï qui vini, c'est président Michel Domingue. Michel Domingue rentre à Port-au-Prince, mais quand il n'est pas trop savé, trop intellectuel, il y a un petit neveu qui a étudié la Sorbonne et qui parle un français rigoureux et qui parle très bien, qui a inventé d'une certaine manière la lumière, qui voulait faire de Port-au-Prince la ville lumière comme la ville de Paris. Et Septimus Rameau mettait lumière dans le pays. Septimus Rameau mettait opéra. Septimus Rameau fait payer à tourner comme en France, comme Paris, la Port-au-Prince était devenue une belle ville. Limité tramway, limité vraiment système, côté que tout le monde t'est senti que le gouvernement tape marché avec Domingue. Cependant, monsieur pas créé la banque. Il vient pour le grand problème, côté que monsieur dit bon, il voulait monter en banque, et il est en pile français, vine d'Eli, il a essayé de monter en banque, et l'argent que Haïtien a gagné à l'époque là, il a stocké dans la banque là, et il a condamné monsieur comme étant, il a dit que Domingue gagne les sorties pour le prendre pays et pour voler l'argent, et c'est comme ça que Domingue, il n'y a pas le terre. Il y a la CAI, monsieur, 15 avril 1876. Il est rentré dans la chambre la CAI. Mais, première dame, non, madame Domingue, tu fais un travail, tu es empêché, il te dit depuis au CAI, la président, pas de monde qui a tué ni Maril, ni Petitli, et il vient en grand monde ici. Donc, ils font façon pour ne pas tuer Michel Domingue, et Michel Domingue est sauvé, et il dit que monsieur était dans ton nez, un papillon. Et M. Sauvé, il est apparu sur Waf là, mais on est avec Septimus Rameau, c'était un intellectuel, un penseur, un philosophe. M. Bat quoi dans rien, et M. Bat faut qu'un effort, M. saute la ville là, il descend, mais rien ne peut arriver, pas rien qui arrive. Et M. te font un discours, et t'es pas allé fort. Et ceci, il dit que après mon Dieu, c'est lui-même. Et que le monde n'a pas qu'à tuer, il n'a pas qu'à faire rien.
Donc ça c'est Septimus Rameau. Et alors là, peuple là, il fonçait sur monsieur, il arrachait la coupe manchette et monsieur mourit dans mi-temps Port-au-Prince, et ceci le 15 avril 1876. Et c'est vrai que Michel Domingue prend couteau. Les monsieur qui sont à flag au foule qui m'a sur lui, il est blessé dans le bras. Et là, le Jamaïque, mais président, non, t'es sauvé. Mais premier ministre, t'es le Septimus Rameau, t'es mort le 15 avril 1876. Mm-hmm. Alors évidemment, il faut penser qu'après cette période difficile, ce deuil terrible, on ne parle pas de son pouvoir, on coquette chez un garçon et qui est certainement monsieur les Florville Hippolyte. Les Florville rentrés, évidemment, monsieur rentré après Salomon. Il n'y a pas qu'à manger Salomon tout. Salomon, il fait deux ou trois tentatives et monsieur, il n'y a pas qu'à prendre. Et Salomon sorti au Calisius, Salomon jeune, il est dirigé pendant 11 ans et là, monsieur, pour tomber, il y a un flâneur qui fait un coup d'État. Et il y a monsieur Saïd Télémac, monsieur sorti au Cap pour prendre pouvoir et Bouan Canal, il fait assassiner monsieur. Et monsieur était mort et il était et comme ça Florville pour la rentrée ici avec coup de zam et Florville est président mais il pas mort tout cadeau que Florville fait 8e président qui mourit sous pouvoir et cette fois-ci monsieur tendait Nèg Jacmel levé contre lui Mérisé Janis a fond mouvement pour contre président et monsieur dit il pas gourmet en personne. Et il prend cheval il a galopé l'arrivée au grand cimetière Port-au-Prince dans une porte à Léogane. Eh bien, président, chapeau Panama. Panama est tombé. Ça qui d'ailleurs ramassé libre au moins. Nous comptons chanter ça. Mm-hmm. Donc, chapeau président tombé. Monsieur Vigre regarde derrière. Il dit, mais chapeau tombé. Ça qui d'ailleurs ramassé libre au moins. Et puis, monsieur tombé sous choix là, red mort devant grand cimetière Port-au-Prince. Et là, on vient garder, monsieur, 29 mars 1896. Mm-hmm. Président mourit. Et c'est là que je parle ramasser monsieur. Et je viens d'un testament. Il était dit, il faut que je mette le tour dans l'hôtel de la patrie. Qui l'a rue de la Réunion. Mm-hmm. D'accord. Ça va bien pour faire pour moi un peu plus tard dans le débat. Dit, ou qu'on est dans une liste de des présidents haïtiens qui sont censés assassiner et puis qui mourent au pouvoir. On va faire des comptations pour moi. On va le faire combien qui assassinent spécifiquement. D'accord, on va faire calcul là. Pour nous faire des comptes là, combien chiffres, combien liés. Et puis combien lui-même qui mourit au pouvoir. Ça qui n'est pas assassiné. D'accord? Oui, bien sûr. Parce qu'on est mélangé. Oui, mais nous voulons que Mounio connaisse. Il y a 16 présidents qui mourent au pouvoir. Qui mourent au pouvoir. Dans 16 là, on va bien pouvoir. On va faire des comptations pour aller voir combien qui est assassiné dans 16 ans. Il y a 9e assassinat sur le compte. On a continué. C'est assassinat sur le compte, il y a assassiné. Ça, c'est pas les nationaux. Tout président, il y a dit au Sénat Palais, puis aucun chambre. Donc, il y a des. Nous avons des monsieur assassinat sur le compte dit lui-même, il n'y a pas affaire avec ni arabe ni vaudouisant. C'est-à-dire que l'arabe a commencé à gagner influence, il a gagné maquette, il a gagné vanrad, il a gagné toile, et monsieur dit la voie est tournée dans la caillou en Syrie, au Liban. Mais ça, c'est un problème. Deuxièmement, monsieur tendait l'église catholique qui a poussé le devant, et monsieur allait les bouler par style Mounio. Et monsieur était vraiment crason président Antoine Simon avant. Et monsieur dit pas en affaire avec ça, parce que les gens sont francs catholiques. Et monsieur a décidé de créer un problème. Mais quelques temps après, nous parlons d'un assassinat sur le compte. Le 8 août 1912, nous parlons d'un palais. Nous sautons le palais à monsieur. Et que monsieur sautait et qu'il y a près de 800 nègres qui mouraient. Qu'est-ce qui était à la tête de ça? Bon, évidemment. Il y a deux mouns accusés. Recherche à montrer. Il y a une recherche qui montre qu'il dit que c'était son accident. Et officiellement, il a dit c'est accident. Mais il était accusé de Tancred Auguste. Mm-hmm. Parce que même jour, monsieur Mouria, si Tancred, qui était joué au premier ministre, déclarait que c'est lui-même qui est président. Et il sort son décret état de siège plim bagouillé. Et après, monsieur prend le pouvoir, il dit que c'est lui-même qui est responsable, l'homme au président. Et évidemment, Tancred Auguste parlerait de ce pouvoir. On parlerait que monsieur rentré le 9 août 1912, même jour président Mouria, il paraît à 4 à 5h du matin. Il dit, nous avons constaté que le président est mort. Désormais, je suis en charge. Alors évidemment, monsieur Pral mourit. Tragiquement, il mourit sous pouvoir le 2 mai 1913. Tragiquement, bonne décision. Oh, monsieur mourit malade. Ah, et malade. Un peu tragique parce que monsieur, il n'y a pas qu'à jouer une guérison pour lui. Et monsieur, on fièvre sous les diarrhées, il y a une maladie de langueur. On m'a qui était tellement sauvage que la presse à l'époque, le journal Le Matin et le journal Le Nouvelliste, dit que le président mourit tragiquement et il était porté deuil pour Tancred. Et on parle de quelques temps après. Alors, il faut préciser, Tancred, là, c'est ton timulate. Gaillard dans une livre, il lagué sous deux Tancred, la mort, ça c'est là sur le compte. Mm-hmm. Et ça qui
expliquer pour que ça allait venir livrer Auguste. Monsieur, tu prends tout le livre au géo, à le déposer la Kaili, il dit monsieur, ou pas bail la vérité. Bon. Et lui, ou pas le gain quelques temps après, il y a un président monté qui est au reste Zamor. Les Zamor monté, et monsieur a dirigé PIA. Et il n'est pas mort sous pouvoir, mais il va mourir plus devant en 1915. Parce que Horace Zamor lui-même, il était recevoir un ambassadeur américain qui était le Bailly Blanquart. Et Blanquart, Mr. Blanquart, il paraît dit président, moi j'ai l'impression que Haïtien a l'argent. Parce que moi, depuis sous président Lizius Salomon, eh bien, j'ai besoin de $50 américains pour $1 haïtien. Et yon nèg k'ap travay nan l'état gen, s'il gen $1,000, bon jounen jodi a kan se $10,000 de gen. Donc yon wè ke nèg gen kòb yo, li di msye bon, désormais m'pa le dirije, bon m'dirije ministère finance, m'ap voye moun gade ki jan nou fè kòb. M'ap pran la douane nan tout. Et président Zamor te tellement vexé, li di msye, get out motherfucker, fourou dehors ici a mal propté. Alors ambassadeur a été ou kalége sou li, et président te ba ambassadeur Blanquart yon calotte. Et après, l'air, il va le remettre, il ballon deuxième calotte. Et ambassadeur et président a fait boxe, il a écrasé tout jol ambassadeur américain. Alors, c'est là que l'ambassadeur a retourné, il a tourné la Kaili, et qu'on équipe mercenaire qui allait Wanamet et qui a parlé avec une équipe pas d'accord. Un haïtien qui dit il n'avait pas le droit de faire ça, il n'a pas le droit de frapper un diplomate. C'était Freda. Freda était officier, mais en même temps, il était dans le protestant des Baptistes. Et il était le monsieur Freda ou David Noir, Théodore. Et c'est là que nous avons un mouvement, il a créé les cacos. Les cacos du Nord avec David Mar, ils ont plongé pour le prince et ils ont déchouqué le président, ils ont pris M. Lakaili, ils ont crasé Kaili, ils ont presque trois quatre tués, mais pas tué le président, ils ont forcé M. Aller en exil et David Mar Théodore le président. Cependant, ils font façon de quitter avec David Mar Théodore là, c'était général Bassin-Saint. Général Bassin-Saint, bon nom, c'est Villebrun, Guillaume Sam. Mm-hmm. Et là, M. Montier pouvoir tout. Et M. Fonfasson, Zamor fait tourner son temps d'exil. Il ferme la prison. Et M. Pal passe l'ordre pour tuer Zamor dans la prison au 29 juillet 1915. Avant d'aller, et présenter le général Bassin-Saint. Parce qu'il dit qu'on a tué mon empire. On a tué mon empire. Ah oui, là, M. rentre en zone, c'est crasse et brisé. Mm-hmm. Avant, il était en chef gang. Et puis après, M. rentre dans l'armée. Il y aurait le général Bassin-Saint. Il vide son garçon à terre. Et là, M. Montier président. Et bien, M. dit Zamor prend la prison. Et c'est là que le 29 juillet, je tue Zamor et tout ministre Zamor était en prison. Il y a 169 nègres qui ont marché pour la direction générale. Je tue tout dans la pénitentiaire nationale. Et c'est là que le peuple a révolté. Il a pris M. Lakaili et M. est sauvé. Il est rentré en ambassade américaine. Président Villebrun Guillaume Sam est rentré en ambassade française. Et c'est là que le peuple a rentré dans l'ambassade. Là. Il a pris M. Rachel Tikal Patikal. Est-ce que c'est côté ambassade de France et Jodian est là même? Oui, ambassade. Non, pas l'allié. Il était dans la zone. Il était dans la zone. À l'époque, ambassade, au côté du palais national, oui. Et côté de la caserne des Salines. Mm-hmm. Bon, en face, li, l'hôpital traversé avant prend l'école de droit. En face, l'école de droit, c'est l'ambassade de la TI. De France. De France, ambassade de France. Ah ben, quelques années plus tard, il y a un consulat américain qui vient en passer. Oui, exactement. Donc, on est rentré. Exactement. Mm-hmm. Donc, il vient rentrer directement là. C'est la présidente qui est rentrée. Le peuple a rentré derrière, il prend le râle, il rache son bacoute manchette et il traîne devant, dans la route qui passait devant la faculté de droit. Et il fond le président avec tout un général qui était relé, Charles Oscar, qui était passé l'ordre pour le tuer et le président Zamor Lakaili. Donc, ce qui veut dire que c'est deux présidents perdus en juillet 1915 et Blanc a débarqué et Blanc a dit, américain dit, la ville mettait l'ordre dans des zones. Entre temps, David Mar Théodore, il est parti là, les Curaçao, il est resté dehors et il n'est pas retourné dans le pays pendant l'occupation américaine. Et là, M. Tourné Kounia, il n'est pas président encore, le mandat est fini et M. a habité Pétionville. Et c'est là que il dit que M. Pat Jérémy Mounio bien, il était il y a un peu qui dit qu'il y a une dette pour lui, il n'est pas payé au Kobio, etc. Et puis il dit que M. son président, et c'est à cause de lui que Zamor mourit. Bon, on fout le monde qui a la caille, monsieur Pétionville. Yo gratiboisé, garçon. Yo fun, yo rache barrière. Yo rentré dans la chambre président. Et devant madame de Freda, David Martéodore, yo te tué les balles, 17 balles. Monsieur mourit de ça le 13 janvier 1917. Et là, il y a rentré dans une période de deuil, puisque à l'époque, il était déclaré funérailles nationales pour Freda, David Martéodore. Alors, on parle de jeune qu'entre 1917 et après, le gouvernement a continué, nous prenons indépendance, deuxième indépendance, et président Seigneur Vincent mandé américain pour aller quitter le pays. Et c'est là, on parle de jeune, et certainement,
une transition douce. Parce qu'on n'est pas arrivé à ce nouveau sens, il passe le pouvoir à l'ESCO, l'ESCO va gagner, il passe le pouvoir et certainement révolution vient de faite. Et au 20 juin 1946, il y a un garçon qui est du Marseille estimé, il monte le vice-président. On n'est pas arrivé du Marseille estimé non plus. Mm-hmm. Mais du Marseille était metté comme ministre François Duvalier, qui est dirigé l'affaire sociale, ministère du Travail. Et c'est François Duvalier ça qui parle prend pouvoir, et ceci en 1957. Et monsieur prend en 57, un an après, et vous voulez chercher quelques mercenaires pour aller tuer monsieur Lacaille. Mm-hmm. Et il est ça donc, en juillet 1958. Il va tuer M. Lacaille. Mercenaire, ça, qui est-ce qui est dans la tête? Eh, on a un capitaine qui est Alex Pasquette. Mm-hmm. Et en dehors de ça, on a des mercenaires comme Arthur Payne, ou on a Kirsten Levent, ou on a Joe Walker. Mais mercenaire, ça, c'était américain ou bien américain? Américain, américain. Mm-hmm. Mais maintenant, maman Simone, madame Duval, était dit, il n'a pas tué Marie. Depuis 57, M. Monté, il dit, il n'a pas tué Marie à Namel. Il va tuer ni Marie, ni petite, ni l'évangile. Et évidemment, tu mettais sécurité visible et sécurité invisible dans le cas là. Au point que les nègres rentrent, ils ne sont pas ouais, du Valier, ils ont un rideau. Et ils rentrent quand même, ils s'est écrasé quelque côté. Mais finalement. Ça, c'est la CAI ou bien Palais National? Il y a d'abord la CAI. La CAI, ok. Laissez-le. Il y a la CAI. Oui, il y a la CAI. Mm-hmm. Et évidemment, monsieur Guincham n'a pas l'air. Et là, pas ouais, monsieur, monsieur Andan, il y a une grenade, il voyait la figure Alex Pasquette, et il voyait la grenade, presque tout nègre, il était mort. Et là, pas de qui est sauvé, même dans le palais, le monsieur fait la contre-offensive. Et monsieur te dit, avec toute madame, madame te dit, il n'y a pas tué Marie à la main, il connaît ça pour le faire, et il n'y a pas un garçon comme ça pour le bail, vacabon, mercenaire, vintuel. Alors évidemment, ça c'est l'idée, la petite histoire concernant la première dame de l'époque. Alors évidemment, on parle de certainement monsieur, il parle mourir sous pouvoir. Mais avant, tu as une histoire des Camoquins, c'est pas de mercenaires, tout. Ah non, pas du tout, c'est les Camoquins. Qui sont caillards, etc. Non, des Haïtiens, c'est des Haïtien, okay. Dit, je suis pas d'accord que Jean Duvalier a géré le pouvoir, pouvoir, et puis on a fait fort dimanche, n'importe qui monde qui a le fort dimanche au péri. Donc il mette fouillé tout, la gué monde vivant, mette fatra sous tête, yo boule yo, et qu'on pile bas, il t'a passé que mon pas très bien, et qu'on pile haïtien qui prend les armes pour jeter Duvalier. Mais Duvalier va mourir de sa belle mort, de maladie. D'abord, il fait un stroke, il parle malade de diabétique. Bon, monsieur, des tensions, diabète, etc. Et après, monsieur vient tomber le malade, docteur. Quoi que tu aies fait un pile bagaille au niveau médical pour essayer de mettre PIA dans notre système hygiénique, puis correct, et éliminer quelques épidémies. Mais lui-même, il va mourir sous pouvoir 21 avril 1971. Et là, il mourit, évidemment, quand pile bagaille qui passait, il menait, et il avait enterré monsieur, il menait le cadavre là, même 21, là, monsieur fait mourir, ou bien il aurait les mourir. Mogil Figaro, yon illuminati haïtien, yon les nonces apostoliques, archevêque de Port-au-Prince, nèg yon rentre cimetière, pas d'eau. Yon rentre avec tout moa, pas d'eau. Et quelques temps après, yon va faire enterrement, François Duvalier, et yon gros vent qui passe Port-au-Prince, et d'après la petite histoire. Yon gros courri. Gros courri. Mon courri, perdu sandal. Exactement. Etc. Papa, t'es d'où ça? Yon rapporte ça. Papa, papa, maman, maman. Ok, donc moi-même, tu. Même maman, yon t'es perdu sandal, libaï, n'a pas de bon là, ou Port-au-Prince. Il t'es marcoute, Non, pas de marcoute, mais yon t'a assisté, fini. Enterrement. Bon, ok, très bien. Donc Duvalier mourit 21 avril 71, et yon va le mettre Jean-Claude Duvalier à 18 ans, 19 ans, yon mettait monsieur majeur. Et il prend pouvoir. Mm-hmm. Et là, Jean-Claude Duvalier est monté. Il y a une tentative qui va le faire pour jeter monsieur. Surtout, il y a Lionel Lenné qui sortit à l'étranger. Mm-hmm. Et Lionel Lenné, oui, c'est qui... ça qui est parti avec Tuna Delpea. Exactement. Qui est assassiné. Oui, oui, exactement. Mm-hmm. Donc, monsieur lui-même, il était tué. Il était tué, monsieur, dans l'hôpital militaire. Et il n'a pas trouvé faire quoi. Et Duvalier était resté sous pouvoir. Parce que Lionel a été dit qu'il faut absolument une révolution douce, une révolution tranquille. Et Lionel a fait ça capable pour renverser dictature, selon lui-même, qui t'a dirigé le pays ça avec fort dimanche écrasé opposition. Mais Duvalier était sous pouvoir. Une deuxième tentative avec cette fois-ci des mercenaires et des militaires pour aller prendre M. Lacaille, et il t'a mouru le 6 ou 7 février 1986. Et là, M. apprend ça, il distribue l'argent par une église parce que M. était comme Jérémon, même Bon Lacaille, il gère le pays au Kobio, et les militaires, les binômes armés peuple, M. distribue l'argent, ils font façon pour qu'il assure propre sécurité et pas grand affaire de garde présidentielle, Capdou, il y a 2 mois, 3 mois. Il n'a pas touché, il payait régulièrement et il surveillait sa propre sécurité.
et c'est là tout que monsieur pral font façon pour il pas fait être dit les dit pour quitter pouvoir 7 février et américain dit il faut aller tout côté dit il faut aller et grand moment d'un support américain avec George Shultz ainsi que la France avec François Claude Michel. George Shultz c'est ancien secrétaire d'état américain avec François Claude Michel et ça parle monsieur qui est Anthony Malone Canada bien mon qui dit monsieur était parce qu'au cas de vie pays a bien son bon garçon monsieur dit pas fait être dû l'eau haïtien commence à manifester au lieu Pavléo ou obligé battre d'ailleurs m'pa gen madame gen petite m'pa vle mourir dans mauvaise condition et 7 février 1986 monsieur était décidé pour t'y aller et évidemment là monsieur aller militaire au grand pouvoir mais non conseil national de gouvernement oui bien sûr mais on parle gen deux gouvernements civils qui montaient maniga qui pas gagner et pas gen monde qui était essayé à tenir à vivre et on parle gen gouvernement civil tout qui montait avec d'abord Jean-Bertrand Aristide et premier ministre René Préval non mais maniga était manqué tout au pouvoir parce que t'as la caille et tant que toute bagarre ça on a pris mature on a tout dit ça oui moi là c'était pas de mercenaires non c'était les militaires qui veulent faire coup d'état et évidemment négocier pour gagner un pile d'acquitter plein pour faire manger et que président parle en pile la manger mais livrer les madame ni pour tes petits jubilés, pour ton Google les jubilés, et puis bah, l'autre négo, ça c'est la petite histoire, c'est une blague. Et, mais à faire manger, à jouer un gros rôle et, dans l'histoire, pays ça. Mais quand il menti, il te fait sur lui, parce que c'est ton président et, qui t'a dirigé avec de manière brillante, une vision extraordinaire, que nous t'es perdu Maniga, toi bonheur. Évidemment, Jean-Bertrand Aristide va le monter, et monsieur Patvelet, en fait, vacabond actuel de la Kaili. Il y a plusieurs tentatives d'assassinat, vous devez compter. Oui, bon, président Jean-Bertrand oui monsieur Patvelet, problème, non il t'a voué l'écraser l'armée. La fin de l'armée, elle voulait chercher un groupe blanc vient bas la sécurité. Et t'as 500 blancs qui entouraient monsieur le président haïtien. Hein? Et ils étaient venus dans une compagnie. La compagnie était sortie de Californie. Ils étaient dans la rue de Wall Street. Et la compagnie était l'école Steel Security Foundation. Et c'est compagnie ça qui parle de monsieur sécurité. Et en 2004, ils voulaient prendre monsieur dans l'avion. Et puis ils ont dit, monsieur Sao, pas tirer un seul coup de fusil. Si nous tirons un seul coup de pétard, nous avons perdu vie. Non? Et nous n'avons pas de fin. Hein? Et c'est comme ça, le président, prend le parti en exil avec 19 là-dedans, pour le prendre avion beaucoup de et parmi eux, il y a des grandes personnalités comme Kenneth Kurtz, ou Greg Pearson, ou Jorge Septien, ou John Dyden. C'est des mouns qui étaient entourés, évidemment, question ça, étaient assurés sécurité président haïtien. Alors, évidemment, on parle de. Il y a des tentatives d'assassinat qui étaient faites au palais national. Il y a parlé de mercenaires, Bakounen, et ça a été. Oui, mais c'était extrêmement difficile. Mm-hmm. Parce que sécurité, ça a été, par exemple, l'organisation qui est Steel Security Foundation, l'étape veillé, et Gampil, qui était extrêmement difficile, et pour te permettre que tu arrives sur monsieur. Et évidemment, on parle gain après que monsieur vivant, et pas gagné qui t'est arrivé, on nous souhaitait un jour, l'a écrit, moi, il a raconté ça que t'es gagné, mais président, pas de gagné qui t'est arrivé, il est encore très vivant. Alors, 16e président qui parle gain problème, non, qui va mourir la Cali, c'est Jovenel Moïse. Alors, monsieur, 16e président qui mourit, je trouvais dans mauvaises conditions, de manière tragique, mais attention, on problème karma, parce que monsieur descend de Moïse l'ouverture. Et je descends de Moïse Ouverture. Moïse Ouverture, c'était petit neveu Toussaint Ouverture. Et vrai nom, monsieur, c'est Hyacinthe Moïse. Hyacinthe Moïse, alias Moïse Ouverture. Alors, monsieur, défend le 7 juillet 1801, il te font soulèvement contre Toussaint Ouverture. Et c'est 7 juillet 2021 que petit monsieur, Jovenel Moïse, vient mourir de manière tragique. Quelle coïncidence! Comment expliquer coïncidence ça? Écoutez, il faut même mois de juillet. Ok, parce que c'est pas ok, c'est pas correct. Ce qui s'est passé, c'est tragique. Mais le Gombara qui est extrêmement important pour nous connaître, c'est que même première dame, il y a qu'on fait, moi je vais voir plusieurs exemples, il y a une question pour bonner la caillou. Bonner pays et bonner la caillou. Ça a évité qu'il y ait des problèmes karma qui vivent jeune. Donc si caillou n'a pas bonné et pays n'a pas bonné, évidemment qu'il y a des coïncidences bizarres. Et mercenaire et Jovenel Moïse, ça vient de lui, eux-mêmes. Quelle information? Parce que bah, dans l'histoire, il y a des mercenaires américains, etc. Et dans ça, vous n'avez pas de détails? N'a pas suivi l'enquête là. Parce que ça, non, Boyola, c'est sur la base d'enquête qui est écrite déjà. Et en tant que chercheur, historien et journaliste, nous intéressons qu'on est sacrivé là, comment on le fait passer, comment on fait. Ou il y a des étrangers qui viennent là, qui viennent bailler problème ça. Et il faut absolument que nous-mêmes, nous résoudre le problème là et que nous mettons la caille. D'accord. Est-ce que il y a une enquête tout et qui était faite pour l'autre cas président qui était assassiné? Jusqu'à présent, il y a un résultat d'enquête qui est fait sur Dessalines. Il y a un résultat d'enquête qui est fait sur Salnam. Qui est-ce qui était auteur? Est-ce que tu es arrivé à procéder à l'arrestation? Auteur, intellectuel, exécutant, bah, tout ça? Oui, l'enquête. Parce que l'histoire n'a pas rapporté qui est-ce qui était procédé à l'arrestation. Ok, Dessalines, par exemple, nous connaissons qui est-ce qui était tué. Et on est à quoi Alexandre Pétion, le monsieur monté pouvoir.
monsieur pral, je t'ai dit que c'est monsieur TDL, mais en fait monsieur t'a arrêté un pile nèg qui t'a trouvé des salines. Et on est avec Etienne Ligérin, il t'a voyé prendre la Kaili dans ville au Kai. Et Etienne Ligérin était dans le mouvement et tu es un peu royal. Léal prend monsieur, monsieur goumé avec force républicaine yo, il goumé avec yo. Et d'ailleurs il était président et pour mettre lui et pour craser Pétion pour prendre pouvoir. Après il fait tuer des salines, il a essayé faire un mouvement et Pétion t'a voyé Léal. Et c'est là que monsieur pral suicide tête lui, il va se suicider et Pétion pral recevoir dans palais tête monsieur. Parce que coupé tête là, il a fourré le long sac, il a porté le président. Donc la plupart des mutins, la plupart des mutins de Salines, ils étaient prêts. Et ensuite, non, mais pas pour Pétion. Non, Pétion, Pétion n'est même pas passé. Comme Pétion était plus ou moins accepté l'envoi de Salines. Même ce pape, directement, selon historien, dans le cadre de l'envoi, il a tué de Salines. D'accord, mais pour tourner et dans la deuxième partie, hein, sur toute question, ça, par exemple, David Théodore, est-ce que tu es arrivé à jeune justice? Salnav, est-ce que tu es arrivé à jeune justice? Est-ce que tu as une commission qui t'est créée pour te faire lumière dans cadre d'une commission de vérité sur ensemble d'assassinats? Ça ben autant d'éléments n'a gagné pour n'aborder retour après la pause n'a gagné pour nous garder pour nous retour liste c'est un ensemble de listes on va regarder liste chef d'état qui te travaille au progrès d'Haïti liste chef d'état qui travaille pour craser pays ça n'a pas tout éléments ça yo n'a pas tout gagné un chef d'état tout quoi et lui-même c'est la Kaili lui-même il t'a tué directement. Et il y a un ensemble de questions qu'on a bien pour aborder avec invité nous. On a rappelé qui c'est Adi Jean Gardi, historien, écrivain. Merci de votre fidélité. Pas oublier, hein, nous pas le gagner. 8 ans d'existence, blocus date l'avant, avancé sur nous, à pas de géant. Pas oublier, ça pourra le gagner. 8 ans, 15 août prochain, nous pas le gagner. Nous pas le c'est. Bon, nous avons gagné 7 et gagné certainement 9 qui mourent. Et certainement au pouvoir, ça fait au total 16 mounes. Mm-hmm. Dans 16 mounes, ça au cas, évidemment, nous. Bon, ça assassiné d'abord. On a pris 6 ou 7 qui assassiné, au gain Jean-Jacques Dessalines, qui était assassiné au 17 octobre 1806. Et au gain, par exemple, président Sylvain Salnav, que au même tout, il a été assassiné, parce qu'il a sauté, il a été fusé, monsieur, directement dans le palais national. Au 15 janvier 1870, il a été fusé, monsieur, sur les ruines fumantes du palais. Au gain, Cincinnatus le comte et le comte lui-même le 8 août 1912 il était sauté par l'air avec monsieur il était la Kaili mais là ça a sauté par l'air et il y a toute garde présidentielle là qui était perdu la ville et il y a Villebrun et Guillaume Sam c'était 29 juillet 1915 monsieur était mort en même temps que Oreste Zamor président Zamor était en prison dans la pénitentiaire nationale donc nous avons cité le tout nous pas d'oublier Septimus Rameau qui était joué rôle premier ministre et en même temps président en certain moment de Michel Domingue. Michel Domingue était président, mais elle était tellement effacée collée, elle était basée Septimus Rameau dirigé. Mm-hmm. Alors évidemment, le 15 avril 1976, lorsque M. Lemley était mort, il est passé à l'infinitif, et au gain tout David Mar, Théodore, président David Mar, qui était mort en janvier 1917. D'accord. Ben non, pour l'instant, présentement, liste président qui déjoué tentative d'assassinat, ou bien plusieurs cas de tentative d'assassinat qui étaient déjoués dans l'histoire, non? Il y a plusieurs, parce que quand tu es un président, tant que Fabre ou Nicolas Geffrard, il était déjoué tentative qui était tué. Et on a quitté déjoué le tout, mais malheureusement, puis devant, il était tué. C'est Sylvain Salnav. Et je vois le monde, c'est Stenio Vincent. Et Vincent, pas de quitter aucun monde, voué à l'infinitif. Au contraire, il a fait 2 mandats et il a fait élection, il a mis Elie Lescot au pouvoir. Et au pas, je vois le monde qui dévie le tout, c'est Younek, tant que François Duvalier, et qui est Madame Ni. Première dame, maman Simone, qui te dit le pape qui était mari, il mourit dans mel, ni petit li, ni mari. Donc là, il a fait pouvoir. Il a prêté là, et monsieur était mouri sous pouvoir lui-même de maladie, et il mettait petit garçon le président. L'autre nec qui était dévié, évidemment, coup contre lui, parce qu'il n'a pas fait tête due, c'était Jean-Claude Duvalier. D'accord. Et est-ce qu'on gagne tout liste d'Akadi et président qui sous sur dans l'histoire, non? Qui est-ce que plus sous sur? Oui, on a quitté Soussou, t'as comme d'un autre, on Jean-Baptiste Richer, il était dirigé pays à presque en Soussou parce qu'il était soumettre directement à l'église protestante, côté que M. TMD l'a retiré Port-au-Prince, capitale, il va faire le cap, à cause de l'église que M. Débatien Roy et ses missionnaires qui tapent joué dans la tête, monsieur. Ou bon, l'autre président, c'est Geffrard, côté que M. Tégué en pile anglais qui était fait M. agir en Soussou, et M. Tégué mené une politique anti-haïtien avec Sarah Le Concordat, côté que l'Italie et le droit dirigé
parce que concordat c'était permettre que yo rentre dans pays y avait une fait ça voulait au niveau l'école écrit histoire d'Haïti pour nous faire connaître que nous pas monde et permettre que soulever l'armée qu'on les tirailleurs qui étaient dirigés directement par des étrangers et l'autre net qui était montré dans Jean Soussou c'est en 1915 d'Artignave Théodore pas d'Artignave pardon sud de d'Artignave l'elle monté président et ben gain américain qui était monsieur coup de pied dans des ailes pendant chef d'état et ceci en public et monsieur était vexé fâché avec toute bouinache qui était chef cabinet monsieur mais il était traité monsieur très très mal au point que pas même quitter monsieur payer ministre yo et monsieur était resté sous pouvoir il pas démissionné malgré que était traité vraiment en esclave ou en nigue. Et au vin jeune l'autre nègre encore, c'était bon Borno, l'a monté président, qui a une série de barrages que monsieur était fait des changements, mais cependant, il était mené, il était viré monsieur Tounel pendant l'occupation américaine là, et Jean il pas doit accepter. Et il était imposé monsieur au niveau éducation, des presses, ça les principales et mandé les pétitions pour élèves pas cal dans examen si ou pas baptisé, si maman ou papa ou pas marié etc. Donc monsieur était soumettre en pile en sous-sous à l'Église catholique et au Vatican. L'autre nègre encore rapporté agit un peu en sous-sous, c'est Baby Doc, Jean-Claude Duvalier, à travers la France. Parce que là, M. Vigny, avec Valéry Giscard d'Estaing, et président Valéry Giscard d'Estaing, dit, monsieur, on va faire réforme au niveau éducation, parce que les rendus contre les Haïtiens sont tellement trop intelligents. Je t'ai demandé, monsieur, en 1982 déjà, pour te rentrer dans l'école fondamentale, et fait que Haïtiens ont passé 14 ans dans l'école primaire, alors que justement en France c'était 2 ans seulement, et ils ont retiré question de éducation anglaise, espagnole, française pour faire maintenant seulement en créole, qui fait que 25 ans après, génération ça les subit et influence sous époque là. Alors c'est plus ou moins ça qu'une carabine dit, mais c'est quel président analphabète, mais qui était analphabète, lui-même, mais qui était montré très intelligent. On est avec Antoine Simon, il n'est pas trop savé, il n'est pas trop fort, mais il était metté, il y a un brillant avec lui, c'est un chef de cabinet. Qui te permettent de travailler et faire des réformes extraordinaires. Et vous savez qu'on n'était pas qu'on lit bien tout, que les Soulouk, et bien Soulouk devient empereur, même si j'étais entouré avec des gens qui étaient brillants, tant qu'il y a un monde, Francisque, le fameux Francisque d'Aquin, et le général Soulouk qui devient femme, je venu empereur, donc le gouvernement ça a été marché de manière très intelligente. Ben donc on y a une liste des anciens présidents, des visionnaires. Il y en a eu. Il y en a eu en pile. Absolument. Absolument. Jean-Jacques Dessalines, ils sont visionnaires. Dessalines, t'es dit que les pays sont pauvres, tout n'est que nous riche. Et M. de Monvision contre l'esclavage, il abolit l'esclavage là son nom, en dehors de toute cette ouverture qui était venue à IDEA. Mais Dessalines lui-même, il était venu avec un système de gouvernement en faveur de tous les Noirs du monde, ceux de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de l'Afrique, et surtout ceux d'Haïti. Il a été fait tentative à plusieurs reprises et forcé Mounio, pendant le gouvernement là, puis été aboli l'esclavage. Ce que certainement l'Angleterre a fait en 1807 et ce que la Hollande va l'accepter. Et c'est la politique diplomatique de Jean-Jacques Dessalines comme visionnaire qui était commencé à éliminer ça de la traite des nègres. L'autre monde qui était visionnaire, extraordinaire, c'était Alexandre Pétion. Il a une vision pour libérer l'Amérique latine et monsieur était prend Bolivar, il fait la rentrée, sorti directement Caracas, rentré à Aquin et de la belle Aquin, à Zone ça, monsieur t'a fait développement et libération de toute l'Amérique latine. L'autre monde encore était visionnaire, extraordinaire, un brillant visionnaire, il s'appelait Jean-Pierre Boyer. Et Jean-Pierre Boyer dirigeait pays ça de 1818 à 1843 de manière moderne. Même Dominicani, prenez-le pas quitter route là. Il était quitté pays à fermer, enclavé, et c'est Boyer qui peut le fonder et souvler, moderniser Santo Domingo, et qui peut le mettre un gouverneur qui est le Maximilien Borgela, un Tinegaquin, qui peut changer pays ça, et qui peut le faire tourner un paquet d'affaires. Et donc le pays entier peut chiter sous vision Jean-Pierre Boyer, et qui est enterré qu'on y a là à Père-Lachaise à Paris, et il me demande chaque Haïtien, chaque fois arrivé en France, à le déposer en chef fleur dans Père-Lachaise, parce que monsieur son visionnaire qui était mérité. L'autre monde encore qui était visionnaire, c'est le président Sylvain Salnave. Et là, M. Monté, M. dit que l'Ibal Crayon, un système égalitariste et un système moderne et permettre que Haïtiens vivent bien et Haïtiens sortent la misère. Et certainement, M. fait une réforme agraire qui permet que tout le monde utilise l'agriculture pour développer le pays, malgré la guerre civile qui peut mener que le président ça, il perd la ville. L'autre monde qui était agi de manière visionnaire, c'est Florville Hippolyte. Et Florville Hippolyte, il n'est pas accepté pour le sous-sous, surtout les Américains viennent prendre Mol Saint-Nicolas. M. mettait on flâne. D'abord, M. prend ambassade américaine avec Frederick Douglass. M. fait Frederick Douglass représenter intérêts haïtiens aux États-Unis et défendre intérêts noyaux. M. empêchait Dominicain vendre tête et M. te permet de créer un budget pour l'île entière, non seulement pour Haïti, mais aussi pour Dominicain. Peut-être qu'à
fonctionner en toute liberté. Et monsieur tout, il peut monter des marchés modernes, il peut venir avec la télégraphie terrestre, il rentrer tout avec des systèmes d'infrastructures modernes, et là c'est on est qui est visionnaire. Vincent, il parlait le mal en pile, mais c'est Vincent en visionnaire, il parle des pays arrêtés et un pays occupé, il parle de Haïti tourner Puerto Rico, il voulait que Haïti était un pays indépendant. Il était gourmet en pile jusqu'à 1934, il fait américain ou t'as fait autre. Donc en gros, c'est quelques présidents qui ont des caractères, personnalité, évidemment, dernier Kabaroua, c'est François Duvalier. Bon, ça, on ne peut pas oublier parce que dans la certaine mesure, M. Tégon a une vision d'abord par rapport à l'identité, l'identité noire, l'identité que ancêtre notre guerrier était permettre que tu respectes pays ça, malgré que M. Témené, pays ça, non, dictature terrible, mais M. Tégon a un grand pile caractère, il a agi pour que certainement pays ça, pas ton pays sous-sous. Maniga, Jean-Bertrand Aristide, ça m'a pris par exemple monsieur Maniga et Leslie François Maniga s'est montré aussi extraordinaire parce que monsieur est visionnaire, il a un caractère, il était dit que par les pays ça tomber sous occupation étrangère, il n'est pas accepté pour vénézuélien mener le tourner ici à Abakouzam, monsieur a accepté tant parce que il retournait et il participait dans l'élection pour le vice président, mais malheureusement il n'est pas traité son pouvoir assez longtemps pour le démontrer, bien entendu, et faut le pas le faire évidemment. Monsieur pas accepté non plus tout que 25 000 blancs américains mener le tourner là sans qu'il pas faire rien, sans qu'il pas réaliser aucun changement au niveau des infrastructures. Donc, a dit que le dernier président qui a montré vraiment le grand pile caractère, c'était M. Maniga. Bon, quelques noms des présidents que la communauté internationale a boycotté. Et parce que il parle monsieur ça au travail au profit des intérêts nationaux. Monsieur c'était Maniga ça y en a d'ailleurs, il était boycotté. Il était empêché que monsieur arrive loin, mais monde qui était boycotté avant, c'était Salnav. Les Sylvain Salnav monté, ils font complot international et local puis ouais c'est arrivé tout fait parce que Salnav c'est un président haïtien qui pendant l'exil était rencontré avec Karl Marx et qui a écrit Das Kapital et monsieur était rencontré avec Engels, c'est rencontré les philosophes allemands et monsieur de mon vision égalitariste pour Haïti et monsieur pas croire dans affaire ni milat ni noir. Je crois que pays ça son pays noir lié et il faut absolument que l'entourer tout le monde, que le thé noir, que le thé clair, que le thé quatre couleurs ou monsieur était menon politique et pour pays ça sorti dans sa lié, il était boycotté. Et où je nous n'ai que les élus Salomon, les monsieur a fait pays ça sorti dans la misère, l'a développé, il était essayé boycotté jusqu'à ce qu'il était obligé de partir, les quitter pays ça, aller en exil. Boyer, lui même tout était boycotté parce que les Boyer arrivés, ils signent un accord pour que l'indépendance pays ça soit respectée en 1825, le français était imposé, monsieur, il tout intérêt que monsieur Pat acceptait, elle te dit le pas payer encore pendant 10 ans, il te refuse de payer monsieur, elle te mène en combat avec les Faubert, avec un combat diplomatique pour permettre que pays ça arrête non seulement indépendant pour pas retourner en colonie. Et nous capable de tourner avec sa mort, au reste sa mort, les monsieur monté, il pas accepté que l'Allemagne, le Kaiser allemand te vienne diriger pays ça, il pas accepté pour américain vienne prendre contrôle économique, monsieur t'est résisté jusqu'à ce que tu es virtuel. D'accord, on a pris un dernier élément parce que on va commencer ce rappel là, banon liste de président haïtien qui était à couteau tiré avec Sam Darilé, la bourgeoisie ou bien les oligarques. Il y en a eu. Sylvain Salnav, c'est une. Sylvain Salnav n'a pas accepté que oligarque passe l'ordre. Sylvain Salnav, tu voulais que moun y était, que travaille en agriculture et yo planté et monsieur t'a mené une politique interne. Parce que là, on est à coup Lénine, il écrit que faire. Monsieur dit, bon, il faut que nous développions pays ça à l'interne et ton grande puissance. Et là, on est à coup Salnav, tu voulais faire. Et en même temps, monsieur t'a voulu exporter, il t'a mené la politique de Trotsky, qui t'a dit, il faut que la Russie exporte et sa révolution exporte également ses produits. Alors on est à Koussanav, tu as essayé de faire les deux dans le temps par là. Et tu es boycotté, évidemment. Au cas dit que le président, et de manière intelligente, qui t'a essayé de finir avec de manière progressiste, c'était Jean-Jacques Dessalines. Monsieur a duré 2 ans sous pouvoir, mais 2 ans, tu faut 2 siècles. Voilà, eh bien, on va commencer. On se rappelle, auditeurs, téléspectateurs, à quel terme notre nouyo. Et alors, on a rappelé le numéro de téléphone pour capable participer dans l'émission. Ça, c'est 38 et 88 19. Non, excusez-moi, je vais me tromper de numéro. C'est plutôt 34 95 27 06. 34 95 27 06. 40 33 95 63. Deux numéros, ça va permettre tout. Intervenu à l'instant précis. Dans le débat, on a fait la jeudi avec invité noir qui c'est l'historien et écrivain à Dijon. Gardi. 34 95 27 06 40 33 95 63. On apprend au premier appel. Bonsoir Haïti. Bonsoir. Bonsoir, ça me parlait plus fort. Bonjour. Oui, bonsoir. S'il te plaît, je vais poser une question en question, s'il vous plaît. Allez-y, n'attendez pas. Je vais poser une question. Non, juste maintenant, je vais parler un peu de Jean-Jacques Dessalines, s'il te plaît. Okay. À la personne qui vote des siècles, s'il te plaît. D'accord. Merci en pile pour participation.
dans blocus. N'a continué à recevoir et l'autre appel et amis aimables auditeurs téléspectateurs internautes nous et nous parler plus vite pour nous pour une possibilité pour poser toutes questions sur histoire nous avec invité nous 34 95 27 06 40 33 95 63 n'a rappelé invité nous aujourd'hui hein c'est Adjean Gardi Celi nous gagnons comme invité dans blocus toujours fait un plaisir baisser volume radio à télévision qui la caille nous pour nous s'il vous plaît ceci pour nous gagner une très très bonne réception. On a rappelé numéro de téléphone yo encore et pour amis qui veulent participer yo c'est 34 95 27 06 et pour gain 40 33 95 63. Et nous avons amis en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Zamim. Je m'en fous de début de la voie 17. Attends. Oui, s'il te plaît, dis-toi un petit peu de Jean-Bertrand Arité. Et ça m'a aidé. D'accord, merci en pile pour participation dans Blocus. Et on a continué à recevoir l'autre appel. Et à Blocus, 34 95 27 06 40 33 95 63. Nous avons l'autre amis en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Zamim. Oui, mon dame connaît est-ce que Christophe lui-même pas Yul, même que Christophe est-ce qu'il pas président son Walde, est-ce que ça a une vidéo à tout lui-même, même le bas, c'est lui qui est suicidé des films, c'est lui qui n'a pas parlé de l'équipe, une dame est en train de ça. Merci en pile, et puis notre question ça pour moi a dit, en nous un point de ressemblance, le président qui a assassiné, côté où il y a un point de ressemblance, côté où pas semblé, dans cause d'assassinat, ok, on va noter l'aspect ça pour nous. Et on apprend l'autre appel toujours et on apprend 34 95 27 06 40 33 95 63 on va suivre blocus on allait pour élément de réponse pour première série de questions ça va avant mais en bon ami en ligne bonsoir bonsoir. Allô? Oui bonsoir Zamim. Bonsoir bien comment nous FM non forme oui petit mana petit mana oui on parle non attend oui m'a demandé écrivain. Est-ce que tu as abonné puis est-ce que tu as capté ce que la catastrophe haïtienne a passé? D'accord, merci en pile pour participation dans Blocus. Et bien, on allait pour première série de questions yo, et puis, si nous avons retourné au fur et à mesure pour l'autre appel. On allait. Nous recevons la première question, c'est sur Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques Dessalines était une nation. Jean-Jacques Dessalines, pas rien pareil. Et sans lui-même, nous n'avons pas de chambre indépendant. Il y a trois bagages que nous avons dit que nous avons fait. C'est une guerre contre une puissance coloniale qui était plus fort passé et que nous avons arrivé à battre. Et nous avons indépendance. Non. Deuxième bagage, Jean-Jacques Dessalines, c'est abolition de l'esclavage. Nous sommes esclaves, nous sommes rétés à nous. Il fait que nous tous nous avons gardé au danger. Et Jean-Jacques Dessalines a mené une réforme économique et qui était extraordinaire parce qu'à l'époque de la colonie, c'était à peu près 25 millions de francs que nous avons rentré. Dessalines a même fait pour pouvoir en 1804 et arriver en 1806. Monsieur a fait que l'économie n'a pas tombé dans le grabat. Monsieur a permis que nous avons produit, même si nous n'avons pas exporté et que nous avons un embargo, côté que coulé les bateaux, ils ont attaqué nous sans arrêter. Mais Dessalines a mis une armée de guerre sous pied, une armée qui était traversée toute Caraïbe là. Et monsieur a dit qu'il libérer Martinique, Guadeloupe, Guyane avec 60 000 nègres. Monsieur a gagné près de 20 bateaux de guerre. Donc monsieur a renforcé au niveau militaire indépendance pays ça pour empêcher que l'autre pays vienne prendre la main. Et donc, quoi que malgré embargo, malgré situation difficile, nous gagnons en pile reconnaissance à Jean-Jacques Dessalines. Deuxième question, c'est concernant un président récent, Jean-Bertrand Aristide. N'a pas fait en pile recherche sous lui pour nous comprendre ce qui s'est passé hier matin et qui Jean-Président a été dirigé. Sauf que il y a des aspects qui sont capables de faire nous un pile plaisir et qui dérangent nous tous. Par exemple, la fameuse réunion de Paris, côté demandé pour mettre économie pays ça autour du marché libre. Laisse ça nous mettre dans un système libéral total qui expliquait pour que ça dollar avait une pièce de valeur et pour que ça goût haïtien il a étalé journée jeudi. Et parce qu'il y a deux types d'économie, économie planifiée et économie de marché. Mais laisse ça, quoi que nous défendons choix pour nous choisir économie libérale qui peut mener nous dans Kachouboumbe, alors que l'économie planifiée, c'était l'économie de la campagne. L'autre question, c'est pour le roi Christophe. Certainement, le roi Christophe, il mourit en octobre 1820. Et Christophe, il fait un pile changement, un pile révolution, un pile sous les révolutions au niveau des infrastructures, au niveau agraire, au niveau sous les militaires.
mais malheureusement roi Christophe gon moment puisque madame était serré en pile comme pour lui Marie-Louise Nicolas Marie-Louise quoi David t'as serré en pile l'argent pour monsieur en Angleterre et nous ouais ça qui est passé c'est que l'un film mourit madame n'en passe à petite lit elle vive l'argent et même lorsque président Pierrot qui était famille au monté comme président pas de gain un morceau dans la chance à acter sa vie pour reste développement pays mais ça pas empêcher que nous continuons des recherches sous les mêmes d'accord avant prendre l'autre question yo on prend deux trois questions sur WhatsApp là dit Jean Gardio noter pour nous mon ami qui dit salut Pierre j'ai demandé encore pour moi s'il vous plaît là on parler de président Soussou dans liste président Soussou yo est-ce qu'il ne pas qu'à mettre Jovenel Moïse la donne parce que il pas choisi voter pour Venezuela jusqu'à ce que l'été le fait États-Unis plaisir et on noter question ça pour les amis ça tendez nous Delma et moi que ça c'est une remarque c'est pas une question ça c'est une remarque et madame que auditeur ça et quand il livre sur ça laisse ça m'apprendre plus d'accord il y a l'autre question toujours on a l'autre question pendante a dit il y a l'autre question toujours oui, okay. Attends bon amis en ligne bonsoir allez-y Babito tout à l'heure oui bonsoir bonsoir amis n'attendo allez bonsoir vous t'aimez pas les amis n'attendo oui ici avec un gros souffrance et douleur en tant qu'haïtien que mon vrai que assassiné président et quoi que c'est un pic en président que nous gagnons en Haïti que nous gagnons ok donc même question pendant c'est que moi pas monsieur en parler plus de Matéli en tant que président bon, est-ce que capable de monter information dans Soussouyo ou dans Progrès est-ce que monsieur c'était un président qui était qui était en forme tout, qui était en intérêt du peuple. D'accord, merci en pile. On se l'a dit à des îles. Il était dit que le président est bonné non seulement la Cali, mais il était bonné le pays tout. Donc est-ce que, disons, président, je venais à te faire un accord ça? Merci en pile. Noté pour nous encore à 10, 11 amis sur WhatsApp là. Toujours dans 37 62 47 95 là, il dit salut PRG, s'il vous plaît, m'en invité à pour moi pour qui ça limité. François Duvalier dans liste président qui te gain vision pour Haïti. Dit invité à pour moi tout hier soir, moi t'ai regardé un documentaire sur régime Duvalier, m'pa ouais côté te gain vision. OK? On allait pour réponse à 10. Une quoi que moi nous bons amis en ligne, bonsoir à l'heure à 10. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir amis. Oui, une petite question que je poser parce que moi, monsieur a parlé de tout ancien président qui était passé. Il devait connaître ce que des anciens présidents seulement ne devaient pas parler. Ou soit, s'il ne va pas parler de nouveaux présidents qui étaient sous pouvoir là. Tout le monde a encore par exemple, pour Val, Matéli, Mounta, ou moi, il va parler de eux, du Mali, sinon la Barrio, du président soit Soussou, ou soit qui était dans un projet pour PIA. Merci en pile pour participation dans Blocus. On allait pour réponse et Adi. Et nous avons dit que, par exemple, au niveau de François Duvalier, nous parlait de évidemment une dictature qui était horrible, qui était terrible. Et à faire deux fois dimanche, moi-même personnellement, j'étais contre lui. À faire de président à vie, moi-même contre lui. Sauf que il y a des documents que nous joignent au niveau international, nous joignent que période 57 à 71, c'est qu'on goumait que Haïtiens ont été menés contre Fonds monétaire international et contre la Banque mondiale. Et pour ça, c'est une vision par rapport à Fonds monétaire international, c'est qu'un ministre haïtien qui tirait les désinors que ont été le ministre finance et a discuté dans la conférence de Mexico. Et là, il était parlé de la presse internationale, il parlait de le caractère haïtien par rapport au Fonds monétaire international, il n'a pas accepté certainement que imposer nous des bagailles que nous fait accepter certainement à partir de baby doc et que nous sortir dans l'économie de marché pour entrer dans l'économie économie planifiée pour entrer dans l'économie de marché. Donc ça c'est un bail qui est extrêmement intéressant par rapport à l'analyse qui fait. Il y a des bagailles qui concernaient le gouvernement récent yo un historien toujours regarder l'histoire, surtout l'histoire passée yo et certainement par rapport au présent. Présent c'est génération Kounia. Génération chaque génération durait 25 ans. Et l'on apprend histoire, par exemple, sur par génération, ou prend nouvelle génération qu'on a dans nom, nouvelle génération 25 ans, ou pas qu'à prononcer net sous lit, ou obligé de garder, faire enquête pour comprendre avant qu'on écrit un livre d'histoire sur ce qui passait pendant 25 dernières années. Donc c'est sous base ça que nous-mêmes n'avons pas fait trop commenter. C'est analyser, pas analyser, par rapport à vision, par rapport à caractère, par rapport à attitude. Nous avons apporté des critiques, nous avons apporté des ajouts par rapport à ça que nous
mener par rapport à politique nationale et politique mondiale. Mais pas oublier tout que okay, au niveau Haïti, Haïti voulait donc paquet de bagages, il voulait identité nationale. Et dans l'identité ça, qui ça que nous-mêmes nous représenter, qui ça que nous. Donc oui, historien obligé de calculer bien entendu par rapport à nouveau gouvernement, par rapport à ce qui s'est passé pendant deux dernières générations pour qu'on comprenne exactement qui bon nous et qui bon nous doit aller. Une question pendant toujours. Et l'autre question c'est est-ce que bon on est un pays capable d'éviter catastrophe? Nous elle dans la Bible là. On croit que on est avec roi David, il était bonné la Kaili et empêcher que l'autre pays pas arriver prend Jérusalem et prend Israël. On croit que l'extrêmement important pour comprendre que conseiller l'empire qui arrive créer tête lorsque arrivé est certainement mettre protection par la Kaili ou protection pays. Donc on croit que l'extrêmement important pour ne pas abandonner question ça et que en pile haïtien parler de lui gain pas parler de lui mais l'extrêmement important pour connaître que ça c'est une mission divine. Borner son pays et borner également là où on dort. Une dernière question pendant de poso et me demande et analyser une cause président assassiné ou quoi c'était si vous t'ai parlé. Causes différentes. Oui, causes différentes, bien que semble tout. T'as bien exemple. Par exemple, l'autre gain des ressemblances. L'autre par exemple, on est avec Sylvain Sanav qui t'a essayé faire des barrages qui extraordinaires dans le pays et au niveau infrastructure, il m'a quitté tout. Et parce que l'extrêmement important pour qu'on ait long président passé dans le pays qui ça le critique, qui ça le produit, ça le baille. Et surtout, il y a un nombre de populations qui, jeune population, ça a sorti dans la misère. Et sur l'époque, ça nav, il y a grand pile monde qui était sorti dans la misère, qui était tombé là-dedans, et ceci à partir de la période de Geffrard. Donc, on voit que les ressemblances par rapport à ça qui est arrivé, monsieur, monsieur, il a mené, monsieur, il a sauté par l'air, il a boulé par l'air, et au fusil là, et nous, le compte est mort presque même genre, dans des conditions aussi terribles. Et après, le départ de Salnav, il y a eu un gouvernement qui s'était autoproclamé. Ça veut dire que M. Salnav mourit automatiquement. Bon, canal monté, il dit c'est le président, et il bloque le pays, et nous continuons à perdre la vie, que maladie verrait, etc. Et nous remarquons qu'à l'époque de le comte mourit, et il y a un Tancred Auguste qui montait sous pouvoir, et il y a des épidémies qui étaient frappées et de zone ça, et qui étaient empêchées que certainement Haïti était campé, dans le campé, et que nous prenons le gourmet contre eux, et ceci après, pendant les années 30 et les années 40. Donc on a pris, nous prenons seulement trois derniers appels. On a pris seulement trois derniers appels. Au gagnant et nos amis en ligne, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Zamim, comment nous est? Non, pas, mais ma salue est historien. Et c'est moi, mais étant de l'empile. Merci. Question bien voulue, c'est sous qui gouvernement, depuis après l'indépendance, nous avons commencé à confronter problèmes ingérence étrangers dans le pays. Il y a comme si gouvernement, yo, comme disant étranger, il y a plein l'autre l'homme et dans le connaît ce que le gouvernement très, très belle c'est question, ça. Très belle question. Parce que nous avons dit dans le procès avril, tu as parlé, il y a une question toute bas à prendre décision, c'est un blanc pour informer, lui même il dit qu'il n'y a pas de informer, il blanc. Bah, on a toute sa décision à prendre, c'est blanc. Très belle question. Et puis, dans WhatsApp, 37-62-47-95, Gonzan Miki dit bonsoir Pierre-Richard. Monsieur Pierre-Richard dit invité à pour moi dans liste président visionnaire, yo, quitte, ou quitte Henri Christophe d'après lui-même, ou quitte du Marseille estimé, et puis c'est François Duvalier qui a parlé, qui parle de rien pendant 30 ans dans le pays. Ça. On a noté. Mon Gonzan Miki, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, Zamim. Bon, nous saluons nous et saluons les vidéos pour nous là. Nous saluons tout. Et pour nous, les vidéos pour nous, nous et le président qui est soufflé des ambassadeurs. Et en plus, nous avons parlé de le président tout. Et en plus, nous avons une différence entre le président Makeli et Aouchi. D'accord. Merci en pile pour participation dans blocus. OK, n'a répondre rapidement sur quel gouvernement occupation ingérence étrangère te vienne before. Nous croyons que ingérence en venir à partir de Fabre Nicolas Geffrard. Et là une ingérence anglaise qui était très très fort et très très forte. Et nous venions les gérants anglais avec ça, les mercenaires anglais, et qui a coumé contre Salnav. Et nous venions tout les gérants italiennes Vatican avec ça, le Concordat, le fameux Concordat signé par Geffrard. Haïtien Goumé en pile et pour ça, pour certainement nous venions les droits concordataires qui permettent que le président haïtien, c'est l'équipe à évêque, c'est l'équipe à demander pour payer ou monter, etc., etc. Ce que Jean-Claude Duvalier était lui-même remettre, refusé parce que monsieur était en 1983, il était renoncé
au droit concordataire d'Haïti, une bataille que nous-mêmes nous menons pendant presque 100 ans. Et l'ingérence a commencé à partir de Pigotta, les années 1860. Et au Vénézuela continue en 1915 avec l'occupation américaine. Et c'est vrai que Zamien a raison, parmi les présidents visionnaires, Lisa Pilon, tu as connecté. Que Zamien dit, vous mettez Manigato. Christophe, tu es visionnaire. Et Yonek, tu as connu Marseille estimé, tu es très visionnaire. D'ailleurs, Marseille estimé, tu es délimé, il parle construit de nouvelles villes. Et M. t'es construit Belader, il était refait Port-au-Prince. M. t'es fonds économie moderne. Et puis M. t'es metté sur les aéroports dans chaque département. Et chaque commune, il mettait l'hôpital, etc. Donc, du Marseille estimé est unique dans l'histoire, en tout cas unique dans le Pégol 20e siècle. Là. Et évidemment, vision, t'es extraordinaire. Non seulement t'es parlé, mais t'es agi tout. Au moment qui est président haïtien, qui était bat ambassadeur, qui n'a pas accepté que Nega vienne passer l'ordre dans le palais, j'étais relé M. Oreste Zamor. Et dans le télévisoire, après l'école, là, il mettait un livre pour monsieur et il marquait président provisoire. Mais monsieur t'a fait plus que ça parce que Oreste Zamor, son a quitté une vision extraordinaire et que le TPI de propre ville et avec 170 partisans et ceci, il était voué prendre le fermé et 29 juillet 1915, il était mort. Mais c'est vrai, vous avez raison et n'a pas prendre de moi, mais n'a pas prendre de nous tous. D'accord, on a continué à recevoir et l'autre question dans WhatsApp. On va regarder et l'autre question. Oui, nous avons un ami en ligne, bonsoir. Salut, nous. On a pris deux appels seulement, Balbutin. On va voir avec ça, chez nous, et discipline nous. Et avec citoyens aussi qui ont parlé là. Ça fait plaisir que nous devons pour l'émission. Et moi, de bon Dieu, bah, nous santé. Et si tout, même journaliste, en tant que chaque fois dans le micro, bon Dieu, quand on se dit et quand on a béni, on est dans la joie. Merci. Et moi, de bon Dieu, toujours béni. Merci, un peu. Avec le reste du monde qui entoure. Moi-même, ça que moi, tu as remédié, parce que moi, j'aime le pays, en tant que haïtien, j'en ai même tout, ou fait émission, j'aime le pays, ou tu vas faire le pays, ou pas faire inscription pour te faire émission, ça. Et parce que vous voulez pour chaque haïtien, par opinion, yo. Même pas que de toi, parce qu'il y a l'autre monde qui a parlé, qui peut parler. Et je me justement, mais ça que moi-même, je remets, nous parlons que ce sont ni président Soussou, ni président pas Soussou, parce que il y a des parfois, chaque président qui monte au pouvoir, nous toujours croquons, nous toujours un monde qui mettait bien sous tête noire. Et même j'en vois bon génie même, Satan était en difficulté avec, mais il n'y a pas trouvé l'autre solution, et vous voyez Satan, j'étais, pour être capable de gagner la paix. Mais nous-mêmes, pour nous gagner la paix par nous, nous connaissons ces têtes ensemble, pour nous mettre, pour nous faire seuls, pour nous capables de libérer le pays. Après de ça, si le absolu de tout l'autre, nous avons gardé le président, nous avons gardé Mathilde, nous avons gardé tous les autres présidents, nous pas mis cette ensemble pour nous faire seuls, et quand il avait mis à terre. Parce que nous, nous attendons que les Haïtiens changent l'autre le pays, nous disons les Haïtiens chéris. Et c'est un pile de bons filles, ou même en tant que journaliste, c'est Chita, l'Obal, pour un cocoïe, vous sentez l'aide de cocoïe, ça descend en dedans, vous sentez toute qualité chère dans le corps, monsieur. Mais je vous dis à monsieur, vous bon cocoïe, chalet, en tête de cocoïe à chaud, ou pas même bon fruit chez la dame. Les amis, vous croyez, et êtes ensemble, mon seul, mon frère, il n'y a pas quitté Blanc, il n'y a pas. Et ça qui mettait nous dans la difficulté de ça. Merci beaucoup. Merci pour bon Dieu de nos journalistes, avec tout le monde qui a accompagné, avec les citoyens qui vont côté là. Merci en pile pour la participation dans Blocus. Eh bien, Adi, et le mot de la fin. Bon, mot de la fin, c'est. Nous sommes intéressés à la généalogie, bon, on va le dire ça, oui, là. Absolument, et puis au niveau spirituel, mystique, bon, évidemment, nous avons toujours des conseils. Et si il y a des gens qui veulent faire business ou en Haïti, qui veulent contacter nous avons une idée, nous avons pas au téléphone, nous 47 46 79 82, 47 46 79 82, ou bien encore adijeangardi2@gmail.com. Merci en plus.